Accueillons maintenant le Père spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. To God. Dis à quelqu'un ce matin. Say to someone this morning. Tu fais partie des personnes bénies. You are part of the blessed people. Alléluia. Amen. Je veux vraiment que tu regardes celui à côté. To look at the person next. Dis-lui. And say to the person. Je suis béni. I am blessed. Je fais partie. I am part de ceux qui vont réussir au nom de Jésus. Those who are going to be successful in the name of Jesus. Je fais partie. I am part de ceux qui vont going to impact this nation. Parce que le Dieu d'Israël, because the God of Israel est avec nous. He is with us. Alléluia. Amen. Si tu le crois, acclame Jésus. Yeah. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Glory be to God. Nous sommes dans le mois de juillet. We are into the month of July. C'est ça? Amen. On a fini un jeûne. Non, oui. July is this the last day. The last day of Amen. July. Wow. Yes. Donc comme on va finir avec juillet, we're going to finish with July. Il faut qu'on prenne la bénédiction de juillet. We have to take the blessing of July. Aller en août. Before we get to August. Donc il y aura des proclamations de bénédiction. There will be proclamation Amen. Of blessing. Alléluia. Amen. Parce que vous savez tout ce que everything. Un prophète déclare. The prophet declares. Dieu accomplit. God to fulfill it. Amen. C'est pour cela que this is why, le thème que nous avons, the topic that, que le Seigneur a mis dans mon cœur, the Lord has put in my heart, c'est l'onction du prophète. Is the anointing of the prophet. Amen. Comme je ne suis pas pasteur, since I am not a pastor, je vais laisser quelqu'un parler pour moi. Somebody Amen. Speak for me. Parce que moi, en tant que prophète, because si myself, je dois parler, as a prophet, if I have to speak, en fait, c'est parce que c'est moi. They would say it is c'est mieux que quelqu'un d'autre. It is better that somebody Amen. Else speaks. Pour expliquer, to explain. Un prophète. Prophet. Parce que beaucoup entre nous, many between us, n'ont aucune idée. Have got no idea. En fait, un ministère de prophète. Prophetical ministry. C'est un ministère. It is a ministry qui a besoin d'être compris. That needs to be understood. Beaucoup de personnes, many people, peuvent passer juste à côté de la bénédiction. Miss out of the blessing parce qu'ils n'ont pas compris. Because they haven't understood. Mais je crois que ce matin, I believe that this morning, Dieu va utiliser, God will use, son serviteur, his servant, pour enseigner, to teach, Amen. Ce ministère, this ministry. Vous savez, dans une nation, you know, into a nation, quand il y a un prophète, when there is a prophet, c'est une bénédiction. It's a blessing. Dans une église, in a church, quand il y a un prophète, when there is a prophet, c'est une bénédiction. It's a blessing. Mais lorsque les gens But ne réalisent pas, do not realize, ça devient un problème. This becomes a problem. C'est pour ça ce matin, that's why this morning, je vais inviter, I'm going to invite, le pasteur Seigneur. Le pasteur Seigneur. Bon, l'homme de feu, l'homme de fire. Salut ton voisin. Greet your neighbor. De gauche, de droite. Or left to right. And pass him the words. You are blessed. Avec un sourire. With a smile. Un sourire angélique. With an angel smile. Il y a des gens qui sourient pas. There's some people that do not smile. Smile. Un sourire. Un sourire angélique. An angel smile. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Please be seated in the presence of God. Alors aujourd'hui est un grand jour. Today is a great day. Parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Because we are into the presence of the Lord. La Bible dit. The Bible says. Dieu renouvelle sa bonté. God renews His goodness. Chaque matin. Every morning. Amen. Et chaque fois que tu es dans la présence de Dieu. Every time that you are in the presence of God. La grâce est renouvelée. The grace is renewed. La bénédiction est renouvelée. Blessing is renewed. La restauration est. The restoration is renewed. C'est pourquoi quand vous connaissez ces choses, why, you know those things, vous ne fuyez pas la présence you're not de running away from the presence Amen. Of God. Donc vous êtes pressé, but you are in hurry, comme David, like David vous dit, say, je suis dans la joie. I am in joy. Lorsqu'on me dit, when I am told, allons let's go dans la maison in the house de l'Éternel. Of the Lord. Parce qu'à cet endroit, because at that place, la bénédiction sera renouvelée. The blessing will be renewed. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors mon cœur est dans la joie ce matin. My heart is in joy this morning. De partager ce culte avec vous. To share this service with you. De partager ce moment avec vous. Share this moment with you. Amen. Parce que vous êtes une église bénie. Because you are a blessed church. Donc, dis à ton voisin, je suis une église bénie. Say to your neighbor, I am a blessed church. Alléluia. Amen.
Il y a des églises où on va, on ne sent pas la grâce. We don't feel the grace. Il y a des églises où on va, on ne sent pas l'esprit. You don't feel the spirit. Il y a des églises où on va, on ne sent pas l'onction. You don't feel the anointing. Les églises où on va, on ne sent pas la bénédiction. You don't feel the blessing. Mais ici, je sens la grâce. Je sens la bénédiction. Je sens la faveur. Alléluia. Et ça doit te fortifier. Il dit que Dieu est avec toi. Parce que quand Dieu est avec toi, il se manifeste toujours. Il manifeste lui-même pour le temps. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'onction prophétique. Today we'll speak about the prophetic anointing. L'onction du prophète. And the anointing of the prophets. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. There are so many things to say about it. Que ça, ça doit faire l'objet d'un séminaire. This should be like a seminary. Alléluia. Amen. Mais ce matin, on va toucher. This morning, we're going to touch a bit. Pour que l'esprit de chacun soit ouvert. For the spirit of each one of us to be open. On doit connaître. I said we must know l'onction, the anointing qui travaille, that is working avec notre père, with our father, ou avec notre pasteur, or with our pastor. C'est très important. It's very important. Si tu ne comprends pas, if you don't understand, tu pourras pas le suivre. You won't be able to follow him. Oh, quelqu'un me comprend? Amen. Si tu ne le comprends pas, if you do not understand him, tu ne pourras pas marcher avec lui. You won't be able to walk with him. Et si tu ne comprends pas, and if you don't understand him, tu ne pourras pas rentrer dans la grâce, able to enter into the grace que Dieu lui a donné, that God has given him, pour le troupeau, for the pasture. Alléluia. Amen. C'est très important. It's very important. Et c'est ce qui fait que beaucoup and de personnes make that many people peuvent être dans un endroit, they could be in a place, dans un pâturage, in a pasture, dans une église, in a church, sans pouvoir recevoir l'impactation de leur père, of the father, de leur pasteur, or the pastor. Amen. Ce que nous devons comprendre, what we should understand, l'onction prophétique, the prophetical anointing, n'a rien à voir, it's got nothing to do avec l'onction pastorale, with the pastor anointing. Parce que les gens confondent beaucoup. Because people are having a lot of confusion. Si vous avez un prophète devant you vous, have a prophet in front of you, il ne va pas se comporter comme un he pasteur. Won't behave like a pastor. Et s'il essaie de le faire, and if he's trying to do it, il va s'épuiser. He will get tired. Et il n'aura pas les résultats. And he won't get his results that he expects. Amen. Et si vous avez un pasteur, if you have a pastor in front of you, qui veut faire comme un prophète, he want to do like a prophet, il va s'épuiser. He will get tired. Et il n'aura pas les résultats. And he won't get the results that he expects. Alors, si vous avez un prophète dans cette église, que vous ne l'amenez pas à travailler, not making him to work, en tant que prophète, as a prophet, l'église ne va pas avancer. The church will not progress. Oh, est-ce que je parle? Amen. 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 Alors, donc, vous devez amener, so you must bring l'homme de Dieu, the man of God, à libérer l'onction prophétique sur vous, pour que vous puissiez rentrer dans votre destinée. Et ça, c'est important. And this is important. Et on va voir un peu ce matin. And see a bit this morning. Est-ce qu'il y a des pasteurs parmi nous? Is there any pastors among us? Est-ce qu'il y a des évangélistes? Is there any evangelists among us? Amen. Est-ce qu'il y a des docteurs parmi nous? Is there any teachers among us? Est-ce qu'il y a des prophètes? Is there any prophets among us? Soyez bénis. Est-ce qu'il y a des apôtres parmi nous? Is there any apostles among us? Amen. Amen. Blessed. Alléluia. Amen. Alors nous devons connaître ces choses. So you must know those things. Pour être plus efficace. To be more efficient. Parce que quand Dieu te donne une vision, God gives you a vision, tu donnes le ministère. It gives you the ministry. Tu accomplis la vision. To fulfill the vision. Si tu ne travailles pas dans and le ministère, if you're not working in the ministry, la vision ne pourra pas s'accomplir. The vision won't be able to be fulfilled. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Glory be to God. Gloire à Jésus. Glory be to Jesus. Alors, so, en parlant de l'onction prophétique, speaking about the prophetic anointing, ce que vous devez savoir, what you should know, en Israël, il y avait in trois Israel, there was three anointings. Il y avait l'onction du sacrificateur. The anointing of the priest. Il y avait l'onction du roi. The anointing of the king. Et il y avait l'onction du. And the anointing du prophète. Of the prophet. Alléluia. Amen. Amen. Donc, au niveau des cinq ministères. So regarding the five ministries, I mean. Le ministère pastoral. The pastor. Le ministère apostolique. The apostle. Le ministère prophétique. The prophet. Le ministère évangéliste. The evangelist. Le ministère d'enseignement, salut docteur. And the teacher. Le plus ancien des ministères. The oldest one of the ministries. C'est le ministère prophétique. Is the prophetical ministry. Mm-hmm. C'est dans le Nouveau Testament. It is in the New Testament. On parle des apôtres. If you talk about the apostles, on parle des évangélistes. We speak about the evangelists. On parle des quoi encore? And they speak about the doctors, the teachers. Des. Allons-y. Des pasteurs. Des pasteurs. Pastor.
Gloire à Dieu. Glory be to God. Mais le ministère prophétique est devenu l'Ancien Testament. Old Testament. Et vous devez comprendre pourquoi. Why? Et quel est le rôle du prophète? Role of the prophet? Et quelle est la grâce d'avoir un prophète? The grace to have a prophet. C'est très important. It's very important. Si vous savez ces choses, if you know those things, la bénédiction va couler dans votre blessing vie. Will flow in your life. Et ça, c'est important. And this is important. Alors, so, au niveau de l'onction, well, regarding the anointing, voici les trois fonctions qui recevaient l'onction. These are the three roles that were received in the anointing. So the priest. Quand quelqu'un devait être sacrifié. When someone has to be a priest. Ça veut dire quand il naissait. It means that when he was born. D'une famille de sacrificateurs. From a priest family. Il était appelé à être sacrifié. Was called to be a priest. Vous savez que. You know that. La sacrificature. Or the priesthood. A été donné. Was given. À la tribu de Lévi. To the tribe of Levi. Alléluia. Alléluia. Donc pour être sacrificateur. So to be a priest. Il fallait descendre de la famille de. From the family Lévi. Of Levi. Alléluia. Alléluia. Si tu es descendant de la famille, if you are descended from the family of Levi, alors tu es appelé sacrificateur. You are Dieu leur a donné cette tâche. God has given them this request, this Alléluia. Task. Alléluia. Amen. Donc le premier sacrificateur so qu'on the first a eu, priest that we had c'était was Aaron, le frère de Moïse. The brother of Moses. Moïse a consacré. That Moses consecrated. Moïse a consacré ses enfants aussi. Moses consecrated his children also as priests. La deuxième onction c'était. The second anointing was. L'onction royale. The royal anointing. En libérant l'onction sur la vie de ceux qui devaient devenir rois. The anointing over the life of those who have to become king. Quand le peuple d'Israël. When the people of Israel. A demandé. A requested. À ne plus être sous l'autorité. No longer to be under the authority. Des prophètes. From the prophets. Et des juges. And the judges. Ils voulaient un roi. They wanted a king. Comme les nations païennes. Like those Gentile nations. Alors Dieu a dit à Samuel. God said to Samuel. C'est pas toi que le peuple rejette. You're not the one that the people is rejecting. Mais c'est moi que le peuple rejette. It is I that the people are alors rejecting. Je vais donner un roi. So I'm going to give them a king. Mais voici here, les conditions pour la royauté. The condition for the royalty. Ça veut dire que le roi sera établi sur eux. The king will be established over them. Ils vont payer des taxes. They will pay taxes au roi. To the king. Ils seront ses esclaves. They will be his slaves. Ils vont plein de choses. Many things. Et c'est là que Dieu and that's where God a suscité Saül. Has brought up Saul. Pour être roi d'Israël. The king of Israel. Et Saül a été oint. Saul was anointed. Par Samuel. By Samuel. Et après David aussi. And after David also was anointed. Et tous ceux qui devaient venir à la royauté. To come to royalty. Et recevoir l'onction. And to receive the anointing. Alléluia. Alléluia. Et la troisième onction. The third anointing. C'est l'onction prophétique. Is the prophetical anointing. On donnait l'onction. They were giving the anointing. À ceux qui devaient devenir prophètes. To those who are to become prophets. Ils étaient oints. But there was anointed. Souvenez-vous que. Remember that. Lorsque Élie devait partir. When Elijah has to go. Dieu lui a dit. God told him. Va oint d'abord. Go and anoint. So, Élisée. Elisha. Comme prophète. As a prophet. À ta place. Instead. Avant de partir. Of you before you go. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. It's very important. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, so, beloved in the Lord, nous devons comprendre you must understand pourquoi Dieu why God travaille avec ces trois is working with those three anointing. Pourquoi Dieu agit why God is acting avec ces trois onctions. Those three anointing. Et vous devez comprendre que Jésus lui-même il a manifesté ces trois anointings. He manifested those three anointings. Il était sacrificateur. He was the priest. Il était roi. He was king. Il était and was prophet. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Glory be to Jesus. Gloire à Dieu. Amen. Glory be to God. Donc parlons de l'onction prophétique. So speaking about the prophetic anointing, vous devez comprendre you must understand the role of the prophet. C'est qui le prophète? Who is the prophet? Le prophète est un messager de Dieu. The prophet is a messenger of God. Le prophète est un serviteur de Dieu. Is a servant of God. Le prophète the prophet est un oint de Dieu. Is an anointed of God. Le prophète the prophet est celui qui annonce is the one who announces les oracles du Seigneur. The oracles of the Lord. Le prophète the prophet est celui qui conduit le peuple who leads the dans sa destinée. Into his destiny. Le prophète the prophet est celui qui donne des directions, is the one who gives directives, des orientations. Orientations. Le prophète the prophet est celui qui vient pour is the one who comes prévenir, to warn, pour avertir. To warn,
Le prophète, c'est celui qui apporte la lumière. Who bring the light. Amen. Anyone understand me? Alors, so, quand tu es un prophète dans ta when vie, you are a prophet in your life, dans ta maison, in your house, ça veut dire que tu auras l'orientation, get your orientation, tu connaîtras la direction you de ta know destinée, the direction of your destiny, tu auras la lumière sur ton chemin, you have the light on your way, tu pourras t'arrêter quand il faut you'll s'arrêter, be able to stop when you should stop, tu pourras avancer you'll be able to quand progress il faut when avancer. You should be progressing. C'est pourquoi la Bible dit, that's what the Bible says, un peuple people, sans révélation, without revelation, est un peuple is a people, sans frein. Without break. Le prophète apporte the la révélation. Is bringing the revelation. Il apporte la lumière. Is bringing the light. Donc si tu es là, so if you et qu'il n'y a pas une onction prophétique sur ta vie, prophetical anointing over your life, this means ta vie, your life, est comme une voiture, is like a car, qui a toute vitesse, at high speed, sans frein. Without break. Amen. Imagine les dégâts. So imagine the destruction. Une voiture, a car, qui roule à toute vitesse, that is driving fast, full speed, over the motorway, dans les rues du quartier, the streets, sans avoir un frein, without having a break. Imagine les dégâts. Imagine the destruction. La voiture est capable and de causer. Is able to et c'est comme ça notre vie, comme on va sur nous, when we don't have all the prophetical anointing. Nous vivons des catastrophes over our way. Voilà pourquoi. This is why. Depuis le commencement, since the beginning, Dieu a libéré l'onction prophétique. God released the prophetic anointing. Dieu a envoyé ses messagers. God sent his messengers. Prophets pour conduire le peuple, to lead the people dans sa destinée. Into his destiny. Amen. Et c'est le prophète qui donnait les directions. They were giving directives. Savez-vous que Moïse était un prophète de Moses Dieu? Was a prophet of God. Jésus était un prophète de Dieu. David était was prophète a prophet of God. David was a prophet of God. Tous ceux que Dieu a appelés étaient prophètes. All those that God has anointed were the prophets. Parce qu'ils avaient la destinée de conduire. Because they have the destiny to lead. Et au-delà de ça, il y avait des prophètes auprès d'eux. Some prophets on the side of them. Toujours les diriger. Always to direct them. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, quand vous comprenez le rôle du prophète et l'importance du prophète, and the importance of the prophet, c'est vous qui allez bénéficier, you're the one who will benefit, de la grâce de Dieu. The grace of God. Alors, pourquoi Dieu met l'onction prophétique? God is putting the prophetical anointing there. Parce que l'onction prophétique, the prophetical anointing, nous permet, allow us, de connaître le passé, to understand the past, le présent, the present, et le futur. And the future. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, this is why, dans l'Ancien Testament, in the Old Testament, le prophète était appelé, the prophet was called, le voyant, the seer. Il voit, he could see, voit ton passé, see your past, il voit ton présent, see your present, et il voit aussi ton and also sees futur. Your future. Alléluia. Alléluia. Bon, si so tu marches, you're walking, et il y a quelqu'un à côté de toi, and there's somebody next to you, qui peut voir ton présent, who can see your present, ton passé, your past, ton futur, your future. Mais toi, tu es sauvé. You said, tu es béni. You are blessed. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui se détachent de l'onction prophétique. They get away from the prophetical anointing. Sans vision. Without vision. Sans voyance. Without seeing. Et même ils essaient d'avancer. And themselves, they're trying to progress. Amen. On va acclamer le Seigneur. Clap the Lord. Mais la vie est faite d'obstacles. Life is made of obstacles. Si notre chemin a beaucoup d'obstacles. On our way, there are many obstacles. Mais si tu n'as pas la vision, you don't have the vision, tu n'as pas la voyance, you don't have this, the possibility to see. Au lieu d'avancer, instead of progressing, quand tu arrives à un obstacle, when you get to an obstacle, tu vas tourner en rond. You turn in circle. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Amen. Acclame le Seigneur. Clap to the Lord. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Et ça, c'est important and pour this nous. Is important for us. C'est pourquoi l'onction prophétique est nécessaire is necessary dans la vie in the life des enfants de Dieu, of the children of God, dans l'église, in the church, dans une nation. In a nation. Quand il n'y a pas de prophète dans when une nation, no prophet in a nation, la nation se meurt. The nation is dying. Quand il n'y a pas de prophète dans une église, no prophet in the church, l'église meurt. The church dies. Amen. Parce que chaque ministère a son rôle. Every ministry has his role.
quand il n'y a pas l'onction prophétique dans notre vie, the prophetical anointing in your life, our life dies. C'est pourquoi Dieu vous donne des sons, des God visions. Gives you vision, dreams. It is the prophetical anointing. Amen. C'est pourquoi Dieu vous parle par moments. God speaks to you sometimes. Pour que vous ayez des directives. For you to have directives. Si tu ne vois rien, see, if you don't see anything, Dieu te parle pas. God does not speak to you. Rien. You can't hear anything. Mais tu peux pas avancer dans la vie. You cannot progress in life. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est comme ça l'onction. This is how the prophetical anointing is. Et si vous avez un prophète maintenant, if you have a prophet now, dans l'église, in the church, papa, with your daddy, vous devez savoir comment fonctionner avec lui. How to walk with him. Pour avancer. To progress. Il y a quelqu'un à qui Dieu a fait la grâce de voir. God has given the grace for him to see. Et tu ne vas pas le voir pour qu'il te dise quelque chose. For him to tell you something. Et toi, si tu souffres, tu es là pendant que deux ans, Dieu a réservé un grand miracle pour toi. God has prepared a great miracle for you. Tu vas abandonner. You're crying, you're discouraged, you want to give up. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Anybody understand what I'm saying? Et si tu vas le voir, if you go and see him, quand tu vas recevoir cette nouvelle, when you receive this news, au lieu d'être découragé, instead of being discouraged, tu seras encouragé. You will be encouraged. Au lieu de pleurer, instead of crying, tu vas commencer à rire. You will start laughing. Parce qu'il y a l'espoir pour toi demain. Amen. Et c'est ça le rôle du prophète. That's what the role of the prophet is. Et le prophète aussi relève. The prophet also, il sanctionne. Il avertit. He warns. Ne vous étonnez pas. Rebukes, parce que là où il y a un prophète, les prophet, choses sont dénoncées. Things are revealed. Amen. Oh, est-ce que je parle à Dieu? Amen. Le prophète, ce n'est pas le pasteur. Is not a pastor. C'est le pasteur qui soigne. It's the pastor who oh, les brebis. Feed all the sheep. Les brebis. All the sheep. Oh, doucement, les brebis. Easy, easy, sheep. Doucement, ça va aller, prends courage. Fine, courage. C'est pas facile, it je te comprends. Easy, understand you. Oh, que Dieu ait compassion de toi. God have compassion for you. Mais le prophète, but the prophet, quitte dans le péché. Allez, leave the sin. Sors de là. Out of there. Je n'aime pas ça. God does not like this. C'est ça l'onction prophétique. That's what the prophet is not like this. Il ne caresse pas. He does not like cherishing. Il dénonce. He denounces. Il dévoile. He reveals. Il avertit. And warns. Tout ça pour te sauver. All this to save you. Amen. Et si tu ne connais pas l'onction prophétique, if you don't know the prophetical anointing. Le pasteur, l'homme de Dieu, le pasteur, the man of God, il est trop dur. This man is too hard. Non, on est dur, il veut payer, moi, il veut pas. I'm sure I'm not going there. Il cache pas les choses, il dit. No, he does not. Il a fait ça, tu vas là-bas. He says, if you do something and you go there, you will reveal it. Amen. Amen. C'est pas lui, c'est l'onction. It's not him, it is the anointing. Et quand tu connais pas cette onction, and when you don't know this anointing, quand tu verras le prophète de loin, when you see the prophet from far, tu le juges mal. You judging him wrongly. C'est comme ça les prophètes sont. That's how the prophets are. Amen. Tu le juges toujours mal. You always judge him oh, wrongly. Oh, c'est l'onction qui le rend comme ça. It is the anointing that is making him like this. Mais quel est hors de cette but onction? When he's out of this anointing, il est un homme merveilleux. He's a wonderful Amen. Man. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Et cette onction fait que souvent le prophète est souvent seul. The prophet is sometimes alone. Et cette onction fait que souvent le prophète est beaucoup retiré. Quand vous lisez la Bible, quand on parle des prophètes, on dit toujours ils sont retirés. Il y a une fois les gens. Si toi tu es en face d'un prophète, tous les jours tu veux être lui, est-ce que ça veut marcher? Non, on n'en veut pas visite. Tu ne connais pas l'onction prophétique. Et un prophète, il sort pas comme ça. Quand il sort, take it for a mission. That's mean he's sent for a mission. Maintenant, yeah. Je te donne le secret. Comment on fait? The secret out to. Le prophète, il va pas vers les gens comme ça. He doesn't go to. Là, tu peux aller vers le prophète. You can come to the prophet. Oh, est-ce que je suis pas là? Amen. 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 Écoutez-moi bien. C'est yeah, le pasteur qui va it vers les gens. Pastor who goes to people. Mais le prophète on vient vers lui. Amen. Come to the prophet. Amen. Oh, ayata sata ayata. Parce que si vous ne connaissez pas ces choses, vous allez murmurer alors que wise, les principes sont déjà établis. Quand le prophète sort the prophet goes out, et qu'il dit je m'en vais chez toi, say, I'm going to your place. Il y a quelque chose qui va se passer. Amen. 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 Amen.
Donc si vous avez un prophète, so if you have a prophet, sur votre vie, over your life, dans l'église, in the church, ne murmurez pas. Do not murmur. Il dit, il m'a jamais rendu visite. He never come and visit me. Le pasteur est là pour ça. The pastor is there for Amen. That. Amen. Quand le prophète était encore avec nous, notre papa Jean-Marie de Moro, quand on ne maîtrisait pas le prophète, le domaine prophétique, on se plaignait toujours. You were all the time. On le critiquait même. We're criticizing him even. Le vieux mien aime tout ça. That old man, comment voir les fidèles là? C'est lui qui veut voir. The members ne peut pas aller. Tout. Always. C'est comme ça. Parce qu'on ne comprenait pas. On veut que la carrière. Quand on va avoir une visite. On veut une visite. Le prophète. Il va prendre 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 le prophète. Il dit, c'est pas comme ça. Il dit, c'est pas comme ça. Je ne suis pas pasteur. I am not a pastor. Je ne suis pas. I am not. Je suis pas passé sur le prophète. I am not a pastor. I am a prophet. Si elle me met à rendre visite. Il va start visiting people at 10. Le mystère qui est en moi, the mystery that is in me, sera brisé. Will be Amen. Broken. Amen. Oh my God. Amen. 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 Si je me mets à rendre visite comme ça, I start visiting like this, je vais me puiser. I will get tired. Je ne serai pas efficace. I will not be efficient. Et si je me mets à rendre visite comme ça, visiting like this, serait difficile de prophétiser. Difficult to prophesy. Parce que Dieu a beaucoup besoin de moi pour entendre sa voix. God needs for me to hear His voice. Amen. Vous comprenez? You understand? Tant qu'on n'a pas tes voix. So we should not see you then. Il dit non, on doit venir. C'est les gens qui doivent venir vers moi. Amen. Me consulter. To consult me. Mais ce n'est pas moi qui dois aller vers eux. One I should be going to them. Mais le pasteur lui doit aller vers eux. Pastor, he has to go to all the people. Vous voyez un peu, non? You see a bit. Donc quand tu sais qu'il y a un prophète, you know that there's a prophet in his life. Au lieu d'attendre qu'il vienne chez toi, toi, expecting him to come to you. Amen. You go to him. Est-ce que vous comprenez un peu? You understand? Mais il y a des gens qui sont dans l'église. Ils ne sont jamais venus voir l'homme. They never come to see the man of God. Ils ne sont pas Daddy, I come to see you. Il y a des problèmes dans ma vie. I've got problems in my life. Ils sont assis là. They're sitting there. Seigneur, agis. Don't act. Let me tell you something. Le prophète, a la capacité, has the ability, de pouvoir intervenir, of intervening, dans ta destinée, intervening in your destiny. Amen. Le prophète a la capacité, has the ability, de pouvoir, of décréter les choses, of decree things, dans le ciel pour toi. In heaven for you. C'est pourquoi il faut le rencontrer. That's why you should go and see him. C'est pourquoi il faut provoquer. You should provoke. Que la parole sorte du prophète. Tout ça, je vais vous montrer les secrets. Amen. Today. Un prophète est foutu et vous. Prophet is finished. Quand vous connaissez les secrets. When you know the secrets. Il va plus dormir. He won't sleep anymore. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une manière de fonctionner avec le prophète. Et il y a une manière de fonctionner avec le pasteur et les autres ministères. And all the ministers. Vous ne maîtrisez pas. If you do not master, vous n'allez pas rentrer dans la grâce. You will not enter into the grace of God. Oh, c'est une grâce. But it is a grace. Il y a dans l'église un prophète. That there is in the church a prophet and even your daddy. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Me comprenez? Amen. You understand me? On va prendre la vie tout à l'heure. You'll take the Bible. Vous allez comprendre tout ce que j'ai dit. You'll understand it before I'm jusqu'à présent. Until now. Mm-hmm. Et c'est très, and it is very, très, very important. Very important. Mm-hmm. L'onction prophétique. The prophetic anointing. Ça bénit trop. Blesses so much. Alléluia. Amen. Donc comprenez l'onction du prophète. Understand the anointing of the prophet. Votre prophète. Your prophet. Votre papa. Your daddy. Quand il le regarde. When I look at him. Il travaille pas trop comme un prophète. He doesn't work too much as a prophet. Il travaille comme un pasteur. He works like a pastor. He's making the effort. Il est riche en moi. Well, I'm just laughing. Oh, l'onction prophétique est là. Parce que c'est manifeste, il fait des prophéties, des déclarations sur vous. Just doing declaration over your life, prophecies. Mais s'il rentre complètement, totalement dans le mystère prophétique, to the prophetic ministry, ça sera encore plus fort. Be even stronger. Amen.
Les grâces vont couler. Oh, my God. Oh, Shatabawi. Mais vous, quand vous ne savez pas, vous le maintenez dans la position parce que c'est débat. So he's struggling with it. Aujourd'hui, vous avez libéré son ministère. Quelqu'un dit, on va libérer son ministère. On va libérer son ministère. On va libérer son ministère. Quand tu vas rentrer dans l'onction prophétique, les gens vont courir pour venir. Mais ce qui va se passer, because what's going to happen? Quand il y a une onction prophétique dans l'endroit, l'endroit est toujours rempli. Les gens peuvent venir pour entendre voir. Comme ça, amen. Like this, the prophet is. Et ça serait une grande bénédiction. That will be a great blessing for you. Il y a quelques personnes qui ont compris. There's a few people who understand. Vous êtes bénis. Amen. Mais tout le peuple doit comprendre. All people have to understand it. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles. Let's take our Bible. La 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. L'onction prophétique, ça yeah, fait du bien. Anointing is doing good. L'onction prophétique aussi a anointing also demande un sacrifice. Tout ministère demande un sacrifice. Any ministry actually requires mais le ministère prophétique, c'est pas facile. It's not easy. Dans le ministère prophétique, prophetical ministry, il y a beaucoup de trahisons. There are a lot of betrayal. Yes. C'est ça, non, prophète? Isn't it, prophet? Amen. Il y a beaucoup de trahisons. There's a lot of betrayal. Pourquoi vous les trahissez? C'est ça le ministère prophétique. That's what the prophet. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? You know why God does that? Pour qu'il reste à la solitude. Merci, ma fille. Thank you. She said that so that he can remain lonely. You are blessed. Amen. The spirit is open. Dieu fait ça pour ne pas que le prophète s'attache aux hommes. Will not attach himself. Et que les hommes s'attachent à lui. But the man will attach himself to him. Pour qu'il soit dans la présence de Dieu. Remain in the presence of la solitude le pousse dans la présence. Loneliness make him to stay in the presence of God for him to receive. Mais quand le prophète commence à s'attacher, commence à avoir confiance, c'est la personne qui le soit. He starts in people, they are the people who deceive him. Mais c'est Dieu qui fait ça, c'est son fils. C'est l'onction qui est celui qui fait ça. That thing that is open is not that does it. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? That's speaking to somebody. Les gens doivent s'attacher au prophète. They have to attach themselves to the prophet. Le prophète ne doit pas s'attacher au prophète. Should not attach himself to people. Amen. Parce que si le prophète s'attache à toi, if the prophet attach himself to you, il pourra plus bien prophétiser. He won't be able to prophesy properly. Oh my God. Oh, amen. Amen. Et la plupart des prophètes ont vu leur ministère se détruire. C'est les prophètes qui sont attachés à certaines personnes. They attach themselves to some people. Et il ne pouvait plus prophétiser sur la vie de cette personne. Je veux dire que le prophète, il répond, il dénonce. He rebukes, si tu attaches à la personne, tu as dénoncé à ton nom. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? You understand? Et quand c'est comme ça, ça tue. And when it's like this, this kills the prophetical anointing. Le prophète vous aime. The prophet loves you all. Le prophète vous aime. The prophet mais, loves you all. Mais c'est son onction qui agit comme ça. It is working. Et tu comprends pas, tu as dit. If you don't listen, tout vient moi. C'est bon. It's hard to me. C'est moi tout le monde va attendre. Je vois ça. C'est pas lui qui a mis les dits. C'est l'esprit qui le pousse à parler. Amen. Le prophète, il a des actions qu'on ne comprend pas. He has action that people don't understand. That's what the prophet is doing. Il peut faire comme ça à telle personne. Like this with one person. Le même prophète peut faire comme ça à une autre, deux moyens à une autre personne. Some et c'est le spirit qui le pousse. It is the spirit who pushes him. C'est ça l'onction prophétique. That's what the prophet. On ne peut pas la canaliser. Il faut la suivre. On ne peut pas la comprendre. You cannot understand it. You just have to follow. Le Dieu dit comme ça. Vas-y comme ça. Just go like this. Non mais pourquoi? Why? On n'a jamais vu ça. I've never seen such. Je vais dans d'autres églises, on ne fait jamais ça. On the church in the north. Non, ça. Why? C'est ça le message de Dieu. C'est ça le message dans la Bible. Is it in the Bible? Is it like that?
Avec l'onction prophétique, on ne fait pas ça. Anointing, you don't do that. Au moment où tu raisonnes, les autres avancent. You're reasoning, people are progressing. Amen. Vous comprenez? You understand? Au moment où tu es là, tu n'es pas prêt. Ceux qui s'engagent, il y a un peu de ceux qui ont témoigné. Amen. Yes. L'onction prophétique. The prophetical anointing. Quand tu suis ça, when you follow it, tu as les témoignages. Just call testimonies. Le prophète va dire, bon, apostle, couche-toi ici. Lay down here. Après, je vais coucher. J'ai béni, super. C'est ça. Quand tu comprends. When you understand. Mais quelqu'un a dit, someone who said, pourquoi tu as couché? Il y a quoi? Tu as vu quoi? Why should I lay down? Why are you sleeping? Va commencer à raisonner. You start reasoning, thinking. Mais, mais, you want me to lay down in front of people? Amen. Ouais, l'ensemble prophétique. See the prophetical anointing. Mais quand vous lisez la Bible, vous êtes pas Dieu a dit des choses aux prophètes. Don't say things to the prophet to do. Il y a d'autres qui se mettent nus, qui marchent, qui commencent à parler. They will make it and start walking and speak. Si le prophète a fait ça, si le prophète a done that in here. Amen, mes gars. On vous avait dit, oh. We told you that. Le monsieur là. That man. Allez voir là. Allez voir! Non, si, c'est pour vous dire. C'est pour ça qu'il y a une onction prophétique. Vous êtes béni et vous devez prier pour cette onction. Il y a des choses que Dieu lui demande à faire. C'est pas facile. Ask him to do. It is not easy. Alléluia. Amen. C'est ça l'onction prophétique. That's what the prophetical anointing is. L'obéissance. The obedience. L'obéissance. Obedience. Dieu a dit à l'autre, comment il s'appelle? The other one. C'est Joël, non? C'est Joël. Il dit, va marier une femme prostituée. And get married to a prostitute woman. Mm-hmm. Non, c'est pas ça. You ask yourself, what is this? Ça, c'est quoi ça? What is this again? Le prophète qui dénonce. The prophet who's denouncing things. Dieu dit, toi. God says, you. Va marier la prostituée. Well, marry that prostitute. Oh Dieu, merci, Dieu n'a pas dit ça. Acclame le Seigneur. Vous savez, le ministère pour visite, c'est tellement chic. Quand on le manifeste, mais les gens ne savent pas les sacrifices qui sont en bas. Le sacrifice that you are under. Mais Dieu te lui parle. Quand il dit ça, il peut être comme ça. Tu veux être comme ça. You want to be like this. Je suis que tu veux être comme ça. You want to be like this. Dieu dit à Joël, don't say to Joel, tu parles trop. You speak too much. La prostituée, la femme, there's a prostitute there. Go and marry her. La femme est prostituée cachée. Not a hidden prostitute. Professionnel. Bon, peut-être même ceux à qui il va avancer dans le savon là. They want to see her already. Dieu dit, faut la marier. Marry her. Faut la marier. Go and marry her. Il dit, isn't he? Tu es mon serviteur maintenant. Not servant, you're not a servant. Lord, I am a servant. Est-ce que vous comprenez? You understand? Et il allait la marier. And he went to marry her. Je vais aussi. John. Jolie femme là. What a beautiful woman. Joël. Ah, John. Qu'est-ce qui n'a pas marché? What didn't work with you? Qu'est-ce qui se passe? What's going on with you? Mais c'est la voix de Dieu. It is the voice of God. Alléluia. Amen. Vous savez, l'onction prophétique, c'est tellement intéressant, mais ça demande des sacrifices. This demands not to. Quand Dieu dit non, when God says ton cœur veut, il dit non. Your heart wants it, but tu comprends pas pourquoi il dit non. You don't understand why. Mais le même cœur qui rit, the same heart that is laughing, demain il peut pleurer. Tomorrow the same heart can cry. Amen. Moi, au début, je ne comprenais pas. Said, in the beginning, I did not understand. Moi, avant, il était très. Comment ça s'appelle? Il y a des gens carrés, des gens qui discutent, qui raisonnent. People reasoning. Donc, le prophète m'a se nommé FBI. Le parti comme. Le parti comme. En opposition. Always opposing themselves. Donc, moi, c'est le temps que tu es FBI. Il dit comment ça? Tout ce qu'il dit là. Political party. Non, principe. Because everything I say. C'est comme ça qu'on fait. This is what you should do. This is what we should do. He was looking at me and laughing.
plus tard tu vas comprendre. Ok, toi FBI là. FBI, it is composing. À un moment, ça me fait mal. So this started to hurt me. Why is he calling me like this all the time? Ce qu'il dit, c'est pas normal. Ce qu'il dit, c'est pas censé. What I'm saying is not meaningful. C'est tellement rationnel. Ce qu'il dit là, A plus B. Pourquoi est-ce toujours mon père FBI? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est moi? Your opponent, your position. C'est comme ça que je suis rentré en moi-même. So I came to myself, start praying, say Lord. Comment mon papa va me regarder? Why my father will look at me? Tu m'appelles FBI. And you call me opposition, opponent. Pourtant, il donne les idées. What's going on? J'ai prié, C'est là que j'ai compris. Is that when I understood que l'onction prophétique, the prophetic anointing, n'avait rien à voir avec le raisonnement. Nothing to do with reasoning or logic. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. C'est là que j'ai commencé à comprendre. That's when I started to understand. Affaire de Dieu là. So we, this God matter. On peut voir ça jaune. You can see it yellow. Et puis c'est rouge qui est caché. And it's actually red that is hidden. Amen. Amen. Vous comprenez? You understand? C'est là que j'ai changé. That's why I've changed ma manière d'être le prophète. My way of being with ma façon the prophet, de voir avec lui. My way of seeing with ma façon d'échanger avec my lui. Way of changing with him. Et ça m'a propulsé. And this boost ça, me. Wow. Donc, imaginez-vous. So, imagine, si je n'avais pas vu cet aspect, je pourrais rester 21 jours. Et puis, moi, j'ai tout le monde sur moi. Je ne comprends pas. Turning circle, I don't understand what's going on. Amen. 21 lui. 20 years with him. Mais il y a des gens comme ça dans la Bible. People like this in the Bible. Vous voulez que je donne un exemple? Oh, you want me to give an example? Vous connaissez Gehazi? You know Gehazi? Amen. Amen. Vous connaissez Gehazi? You know, Amen. You know Gehazi? Il restait qui le prophète? His name was the prophet Elisha. Elisha avait un seul fils. Elisha had one spiritual son. Il s'appelait Gehazi. Was called Gehazi. Mais il n'a rien reçu. Received anything at all. Parce que quand tu marches avec le prophète, l'onction prophétique doit tomber sur toi. Amen. Amen. Même s'il ne t'impose pas la main. It does not lay his même s'il te ou un pas. Le fait que tu sois avec lui, ça tombe toujours sur toi. Amen. Et je prie que l'onction prophétique tombe sur toi. Amen. Amen. In the name of Jesus. Alléluia. Amen. Mais pour Gehazi, Gehazi ce n'est pas ton monsieur. Do not follow him. Vous connaissez l'histoire. He got leprosy. You know the story. Then. Mais pourtant, il a passé toute sa vie avec Élisée. He spent all his life with Elisha. Il ne comprenait pas. He did not understand. L'onction prophétique. The prophetic anointing. Élisée a guéri un Elisha healed un chef de l'armée. Et chef de l'armée. Naaman. De la Syrie. From Syria. Naaman avait besoin d'argent. Naaman wanted to give money to Elisha. Elisha said non. No. Avec tes biens. Go with all your wealth. La gloire revient à Dieu. Let the glory be to God. Gehazi est là. Gehazi came. He was there. Said, le vieux peut même faire quoi? Man, l'église a besoin des choses ici. L'église here. Est-ce que vous comprenez? You understand? T'as vu l'onction prophétique? You see the prophetic anointing. Ils avaient besoin de l'argent. They needed money. Pour faire beaucoup de choses. To do many things. Dieu a opéré un miracle. God a miracle. Voilà quelqu'un qui this vient. Is somebody who's coming, qui dépose putting down l'argent. Money. Il dit Dieu m'a guéri. Said, God has healed me. Je vous dis merci. I thank you. Voici le bien pour dire this merci. This is the wealth just to thank vous God. Vous faites regarder non. The prophet look at this. He said, on n'a pas besoin de ça. We don't need this. On n'a pas besoin de ça. We don't need this. Tu peux aller avec. You can go back. Que la gloire revienne à Dieu. Let the glory be to God only. Oh, pourtant, à midi, même, il n'y a pas mangé. At midday, there was no food to eat. À midi, il n'y a pas mangé. At midday, there was no food to eat. Et puis, il retourne avec quelqu'un. And he said, go back with your wife. When the Gehazi saw this, he said, le vieux père, mais à midi, quoi? Old man, what is talking about? On pas, mais à midi? We're not going to eat at midday. Non. And he's sending back. Non. Il n'est pas normal. This is not normal. I can't leave this God. Donc, Naaman est parti. So when Naaman went, il allait après Naaman maintenant. He went after him. Ah, Naaman. Naaman. Je suis venu te voir. I come to see you. C'est mon maître qui m'a envoyé. It's my master who sent me. Et dit, il a réfléchi maintenant. See, he has thought. What does he say now? He said, you should give. Vraiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Quand Gehazi est venu, when Gehazi came il back, lui a dit, tu étais où? Told him, et non, je suis allé me promener un peu. Non, I had to walk around, you know. Il dit, tu étais où? Il dit, non, je me promener. No, I went about. Il dit, arrête de mentir. Tu étais où? Il dit, non. Where were you? No. Dit, tu ne sais pas que quand tu étais avec Naaman, mon esprit, my spirit was there. Amen. 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 Vous savez que le prophète peut se déplacer en esprit. The prophet, he can move up about in spirit. Il dit, mon esprit, c'est là-bas. Tu allais lui dire quoi? What did you go tell him? La lèpre de Naaman. Let the leprosy of Naaman now to fall on you. Peut-être que dans les dons, la lèpre était liée à ce don. The leprosy was maybe attached to the gift. Parce que Naaman était païen. Naaman was a Gentile. C'est peut-être qu'il a fait des sacrifices. Maybe he made some sacrifices à des dieux to some qui l'ont béni. And that blessed him. Vous comprenez? You understand? Et s'il a la maladie, s'il est guéri, if he is healed, maintenant qu'il a dompu ces dieux-là, he's not worshiping those gods anymore, la malédiction est dans le bien qu'ils lui ont donné. The wealth that they gave him then. Vous comprenez? You understand? Si Élisée prenait la lèpre, was taking him the leprosy. Mais Gehazi n'a pas compris. Gehazi did not understand the thing that way. He wanted to take it. So the leprosy fell on him. If you were only listening to the prophetical anointing, you wasn't going to get any problem. Amen. Amen. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Many things like this. Vous êtes béni d'avoir un prophète. You are blessed to have a prophet. Vous êtes béni d'avoir. You are blessed to have a prophet. Vous êtes béni d'avoir des pasteurs, des docteurs, des pastors, teachers, apostles. Mais quand votre papa est dans l'onction prophétique, your daddy is in the prophetical anointing. C'est pour ça que je vous parle de l'onction prophétique. S'il était dans l'onction pastorale, he was into the pastor anointing. Là, vous parlez aussi de l'onction. I will speak to you also about the pastor anointing. Parce que l'huile coule de because la tête. Because the oil comes from the head first, flow from the et head. Et c'est à partir de la tête. And it's from the head that the bird, et puis tout le corps est arrosé. Whole body is watered. Donc chaque ministère a ses grâces. His own graces. Si votre papa était pastor, was a pastor, je vais parler des grâces. Tu as un pastor. To have a pastor over the church. Si il est apôtre, if you pareil. Were an apostle, évangéliste pareil. Evangelist likewise. Quand tu vas entendre chacun des ministères, you hear each one of the ministry, tu ne sauras pas quoi choisir. You will not know which one to choose. Amen. Because amen. Everything is good. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors rapidement, dans, so let's go quickly. Dans 1 Samuel, c'est ça? 1 Samuel 9. 1 Samuel 9. Allons-y, tu peux lire. Merci, Bruno. Verse 1. Now there was a man of Benjamin whose name was Kish, the son of Abiel, the son of Zeror, the son of Bechorath, the son of Afiath. The son of Benjamin, a mighty man of power. Okay, attends, je vais te dire, puis tu vas commander. Il y avait un homme de la maison de Benjamin nommé Kish, fils d'Abiel, fils de Zeror, fils de Bechorath, fils d'Apia, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Amen. Was a mighty man of power. Il avait un fils du nom de Saül. He had a son whose name was Saul. Jeune et beau. Just young man. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Among godly and there was no among the children of Israel. Et il les dépassait tous de la tête. There were godlier person than him. Les ânes de Kish. The asses of Kish. Père de Saül. Saul's father. S'égaraient. Were lost. Et Kish dit à Saül. And Kish said to Saul. Son fils. His son. Prends avec toi l'un des serviteurs. Take now one of the servants with you. Lève-toi. Rise. Et va. Go. À la recherche. And seek. Des ânes. The asses. Au verset 6. Verse 6. Alors verset 5 d'abord. Let's go first verse 5. Ils étaient arrivés dans le pays de Souf. When they came to the land of Souf. Lorsque Saül dit à son serviteur. Saul said to his servant. Il accompagna. That was over him. Viens. Come. Retournons. Let us return. De peur que mon père. Lest my father. Oubliant les ânes. Leave caring for the ânes. Ne soit en peine de nous. And take fault of us. Le serviteur lui dit. And he said unto him. Voici. Behold now. Il y a dans cette ville. There is in this city. Un homme de Dieu. A man of God. Et c'est un homme considéré. And he is an honorable man. Tout ce qu'il dit. All that he says. Ne manque pas. Can surely. D'arriver. To pass. Allons-y donc. Now let us go. Peut-être.
vivre, fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre? Alléluia. Alléluia. Salut bien à son serviteur. So say to your servant. Mais si nous y allons, but behold if we go, que porterons-nous? What shall we bring? À l'homme de Dieu. The man. Car for, il n'y a plus de provision dans nos sacs. The bread is spent in our. Et nous n'avons aucun présent. And there is no present à offrir to bring à l'homme to the man de Dieu. Of God. Qu'est-ce que nous avons? What are we? Le serviteur reprit la parole. And servant answered. Et il dit à Saül. And said to Saul again. Voici, behold, je suis moi, here, le cadécique d'argent, and hands que je donnerai à l'homme de Dieu, et qui nous indiquera to tell us notre our chemin. Way. Amen. Alléluia. 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 Autrefois, before time, en Israël, in Israel, quand on allait consulter when a man went to inquire Dieu, of God, on disait, they would speak, venez, come. Et allons and let us go voir le voyant. To the seer. Car for celui qu'on appelle aujourd'hui he that is now called le prophète, the prophet s'appelait autrefois was before time le voyant. Called the seer. On va acclamer le Seigneur pour sa gloire. Amen. 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 Allons au verset. Let's go to the verse. Au verset. Verse 15. Or, un jour, vous y êtes? You there? Yes. Or, un jour avant l'arrivée de Saül. Before Saul came. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel. The Lord has told Samuel. En disant. Say, demain à cette heure, tomorrow about this time, 16, je t'enverrai un homme I will send thee a man du pays de Benjamin, out of the land of Benjamin, et tu lui rendras pour chef de mon peuple d'Israël. The of my people il sauvera de la main des Philistins quand j'ai régalé mon peuple out of the parce of que Philistine ce cri for our est venu jusqu'à moi. Because the cry is come unto Alléluia. Me. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Glory be to God. Gloire à Jésus. Glory be to Jesus. Acclame le Seigneur pour sa gloire. Alors, verset 20. Let's go to the verse 20. Ne t'inquiète pas. Do not worry. Des années que tu as perdues. For the houses that you've lost. Il y a 3 jours. In 3 days. Car elles sont retrouvées. For they are found. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? For him being reserved everything. N'est-ce pas pour toi? Isn't it for you? Pour toute ta maison house, et pour la maison de ton père. The house of your father. Sa mère répondit, Samuel also, ne suis-je pas Benjamin? Lui des petites tribus d'Israël. One of the smallest tribes of et ma famille n'est pas la moindre de toutes les familles. The least of all the families. La tribu de Benjamin. Of the tribe of Benjamin. Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Then speaks you to me that way. Sa mère prise à eux. Samuel et son serviteur and his servants, et les fit entrer dans la salle and brought them into the parlor, et donna une place and made them sit à la tête des conviés the chief is playing qui étaient environ 30 hommes which were about 30 persons. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Son père parmi le Seigneur. Son père s'appelait Kis, c'était un berger, un homme important, un homme considéré. Was vous savez qu'en ce temps, you know that that la fonction des bergers était une position assez élevée very elevated en Israël, in Israel, parce que le peuple d'Israël était un peuple de bergers et de cultivateurs. Donc être berger était une position, position considérée. Avoir des brebis, avoir du troupeau, était être un homme béni. Donc, quand la Bible parle de Christ, en disant qu'il avait des troupeaux, il avait une bergerie, c'est pour montrer à tel point qu'il s'était considéré, qu'il s'était béni, était un homme important. Et la Bible dit ce Christ, il avait son fils, il
qui s'appelait Saül. Saül était le fils de Kish. Et la Bible dit, un jour est venu où Kish, le père de Saül, a perdu ses ânes. Parmi ses troupeaux, il a perdu certains ânes, certains brebis. Et il appelle son fils Saül de venir to come et d'aller à la recherche to go and look for de ces brebis-là. Those sheep. Alors Saül prend un de ses serviteurs et il va à la recherche he goes to look for them de ces brebis. Or those sheep. La Bible dit qu'il va parcourir toute la ville, go about the whole city, tous les villages, the old villages, jusqu'à aller dans une autre ville. Pendant trois jours, for three days, il sera fatigué he will be tired. Et il va dire à son serviteur, say to his servant, ça fait trois jours it's been three days que nous sommes après la brebis. Nous avons cherché partout, looking everywhere, jusqu'à arriver à cette until ville, we come to the city, on est fatigué. We are tired. Retournons-nous de peur lest au conlieu instead, que notre mon père s'inquiète des brebis. Il va s'inquiéter de nous he will worry about parce que ça fait trois jours three days, que nous ne sommes pas encore revenus. Donc allons, to let go. On a tout fait. We've done everything. C'est mieux de retourner. It's better to return. Alors son serviteur lui dit, tu as raison, Saül. Right, so. Pendant trois jours, for three days, nous avons cherché, we've been looking nous avons fouillé, we've nous avons tout fait. We did et nous sommes fatigués. Tired, on doit retourner. We should go back. Mais écoute-moi, Saül. Là où nous sommes arrivés, where we are rich, dans la ville où on est, au niveau où on est, dans le quartier où on est, il paraît qu'il y a un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu dans cette ville. This city, c'est un homme considéré. Honorable. Tout ce qu'il dit, everything that he says, tout ce qu'il dit, everything that he says, ne manque pas d'arriver. Tout ce qu'il déclare s'accomplit. Tout ce qu'il annonce se réalise. Tout ce qu'il prophétise est exaucé par Dieu. Saül, on est fatigué. Le corps, on est dans sa ville. On est près de son quartier. On est près de son église. On est près de son église. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimé, il est important pour nous de comprendre que lorsque un prophète est dans un endroit, nous devons chercher à le consulter. Surtout un prophète qui dit des choses qui se réalisent, qui dit des choses qu'on voit l'accomplissement, nous devons chercher à le rencontrer. Nous devons chercher à le consulter. Nous devons chercher à aller échanger avec lui sur notre vie et sur notre destinée. Le serviteur de Saül a dit, il nous montrera le chemin qu'on doit prendre. Quand on parle de chemin, we talk about the way, le chemin parle de la destinée. The way speaks about the destiny. Alléluia. Alléluia. Destinée veut dire chemin. Destiny means way. Ça veut dire voie. It means way. The path. Il nous montrera notre chemin. Show us our way. Donc quand il y a un prophète, when there's a prophet dans ton environnement, in your environment, tu as des informations sur ta destinée. Information about on va prier ce matin. C'est qu'à partir de ce matin, chacun ait des informations sur sa destinée. Chacun ait des informations sur sa destinée. Chacun ait des informations sur sa destinée. Quand tu as des informations sur ta destinée, information about your own destiny. Tu ne trembles pas. You're not afraid. You're not trembling. Quels sont les soubresauts? Whatever the circumstances. Tu sais comment ça va se terminer? You know how all this is going to end. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est comme les films qu'on regarde. It's like those movies that we watch. Les films qu'on regarde. Those movies that we watch. Les films qu'on voit. Those movies that we see. Souvent tu es dans le film, mais sometimes ça fait pitié. C'est bizarre. Mais ton esprit sait que your spirit knows à la fin là. N'est-ce pas? On maltraite le bras. The hero. L'acteur principal, on le maltraite. The main actor is son chemin est difficile. His way is hard. Pendant que tu regardes, ton esprit te dit, il ne va pas mourir à la fin. He will not die at the end. N'est-ce pas? Amen. Souvent tu regardes, tu es inquiet. You watch it and you worry. Tu as peur pour lui. You feel the pain for souvent tu as peur pour lui. Sometimes you even afraid for him. Ça n'est jamais arrivé. This never happened to you when you watch. Mais pendant que tu vois ça, l'esprit s'est dit, l'esprit sait que à la fin là, ça va changer. Change. Et c'est la même chose pour la destinée. Quand tu as des informations.
when you receive information about your destiny, tu vis un moment difficile. Mais parce que tu as des informations, you got information, tu es encouragé et tu es fortifié pour aller jusqu'au bout. To go on the way to the end. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu parfois nous donne des songes et des visions. Vision. Et les songes que les visions vous avez font partie des séquences de votre destinée. Of your destiny. Vous devez écrire quand vous avez une vision. Vous devez écrire quand vous avez une vision. Quand l'homme de Dieu prophétise sur vous, vous devez écrire. C'est votre destinée. Il ne dit pas pour vous faire plaisir. Il ne prophétise pas pour vous encourager. Mais il est en train de prendre une partie du film de votre vie. Pour vous faire connaître et savoir. Let you know. Mais ça vous encourage. Ça vous écrit. That's what you should write down. Un jour, one day, tu seras confronté à cette situation. You'll be facing this situation. Et le prophète aurait déjà donné la réponse. Given the answer to mais quand tu n'écris pas, but when you do not write it down, tu ne gardes pas dans ton cœur. Don't keep it in your heart. Seigneur, parle-moi. God speaks to me. Seigneur, dis-moi quelque chose. Tell me something. Oh, il y a deux ans, il t'a déjà parlé. Three years ago, he spoke to you about it. Amen. 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 Il t'a déjà parlé. He's already spoken to you. Souvent, Dieu n'est pas peureux. Sometimes God is not like a like a parrot. Souvent, Dieu n'est pas peureux. Sometimes God is not like this. Écrivez. Vous êtes dans une onction prophétique. Vous négligez plus les choses. Not neglect things anymore. Moi, j'ai compris que notre ministère était sur l'onction prophétique. Was under a prophetical anointing. Il y avait mon cahier de mystère. I have my mystery notebook. Toutes les prophéties. All the prophecies. Que le prophète donnait sur ma vie. Was giving over my life. Toutes les prophéties. All prophecies. L'homme de Dieu disait sur ma vie. J'ai mon cahier écrit sur mon cahier. Et quand je prie par moment, je prends mon cahier. Sometimes I take my book. Dieu va faire quand c'est chaud, il prend mon cahier. Tu l'as fait, c'est moi. Oh, God, you do this for me. Non, non, c'est waiting for that day. Amen. Mais parce que c'est ma vie qui est là. Because it is my life that is there. Dieu ne va pas tout te montrer. God is not going to show you everything. Amen. Hear me. Quand on fait la publicité d'un film. When they do advertisement, the trailer of a movie. Quand on fait la publicité d'un film. When they do the trailer of a movie. Hein? Est-ce qu'on montre tous les films? This, non. This stream, on montre quoi? Les séquences, les parties du film. No, just the trailer of it. Quand même tu vois, tu dis, you see, you say, oh, le film a l'air puissant. Oh, my God. You know, this movie is going to be so good. Alléluia. Mais c'est comme ça que Dieu aussi te donne les séquences de la vie. God also is speaking to the trailer of your life. When you see, you say, oh, my God. You say, oh, my God. You say, oh, my God. It will be great for tomorrow. Yes, that's what it is. They don't know what decision to take. They don't know where to go. Why you want to still ask consult the man of God. Go inquire. Pourquoi son ministère explose? For his ministry to explode. Si vous ne faites pas, if you're not doing it, les gens quittent ailleurs. People will come from somewhere else. Amen. Ah. Amen. Je me rappelle les débuts. I remember when I started new. On marchait beaucoup pour aller évangéliser. We were walking a lot to go pour aller prêcher la parole de Dieu, pour aller partout. The word of God. Quand on marchait, when we were walking. Nos pieds sont devenus arrêtés. Our feet became bancal. Like this, like this.
because of my work. Vous savez pourquoi? You know why? C'est à cause de la chaussure. Because of the shoes. Tellement marché. So much we walked. Tellement, c'est que ça a fini au côté. One side is finished. On sait pas comment sont nos pieds, mais on a fait. It's only one side that finishes. Donc tellement le côté a fini. So much one side was finished. Now we start walking like this now. Mais pendant ce temps, but during this time, le prophète lui regarde. The prophet was looking at us. Dit, hey, mon fils. Hey, my son. Tu as voyagé? Well, you traveled. Tu vois un voyage? You are still traveling. You're traveling everywhere. I said, oh, moi? Parce qu'il marche. The way I'm walking. Amen. Amen. Wow. Amen. Tellement c'était dur le ministère. Il y a d'autres qui ont abandonné. There are some who gave up. Oui. Yes. Les gens ne pouvaient pas tenir. Some people they couldn't support. Mais la chance qu'ils ont avait, il y avait un prophète auprès de nous. We had a prophet. Quand tu vas pendant et dit, je vois les grandes choses pour toi. Amen. Je ne vais pas faire ça. God, je ne vais pas faire ça. God is going to do this. Donc tu as dit. So you are. Between giving up and about becoming supported, and then becoming support and then become somebody, and then it is better to wait and become. You understand? This is how it is. This is how it is. Today we start traveling now. Amen. Yes. Et quand tu sais les choses que tu as décidées, c'est les choses que tu réclames à Dieu. These are the things that you complain God after. C'est là qu'on appelle le vrai combat. Tu fais un combat de ta destinée. Tu demandes des choses de ta vie. Ça n'a rien à voir. Tu as dit, tu as placé ça pour toi. God has given it for you, so you claim it for them. Souvent, on demande des choses qui n'ont rien à voir avec notre destinée. That's got nothing to do with our own destiny. C'est pourquoi souvent, on change les sujets. Tu peux pousser quand tu vas dire, you pray for this and then you tire and finish. You pray for this and you tire and finish. Parce que tu ne sais pas en fait les choses de ta destinée. You don't know truly the things about your destiny. This is in my destiny. God has revealed it. So every time I'm reminding you, don't forget what you said. Don't forget what you said. Don't remember. Amen. Mais c'est comme ça. This is how it is. Et les gens ils prient, ils s'appellent. Ils demandent des choses même. Ils font des choses. Sometimes tomorrow they won't even eat. C'est comme ça. Donc quand tu es un prophète, tu as cette grâce de savoir ce que Dieu a réservé pour toi. Quand tu demandes ça, le diable peut rien. The devil cannot do anything. Le diable peut rien. Parce que c'est pourquoi Dieu a réservé ça. For you, God has planned it. My time will come. C'est à ta temps. It is waiting. Quand un homme a des enfants, il a son héritage. Si il a un enfant, l'héritage est là. One child, the is there. Dans ce testament, il met le nom de son enfant. In his will, last will, he's putting même si l'enfant ne va pas prendre l'héritage, quelqu'un d'autre ne peut pas venir prendre ça. No one can come and take it. Parce qu'il a fait ça pour lui. Because he has done it for him. Donc il y a des choses que Dieu a fait ça pour toi. So there are things that God has done it for you. They are all waiting for you. Amen. Alléluia. Je suis une diable qui est mariée. 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 Je suis une David dit le père Esaü a perdu ses ânesses. He has lost his ânesses. Esaü va à la recherche so des ânesses. Going to look for those ânesses. Il peut arriver dans ta vie. He can come out in your life. Tu peux perdre des choses. You may lose things. Des choses peuvent te quitter. Things can des choses peuvent t'abandonner. Things can abandon des choses peuvent te laisser. Things can let go. Mais ne laisse pas la main de Dieu. Don't ne laisse pas le Seigneur. Don't leave. Te mets dans sa présence. Stay et sois à la recherche de Dieu. Pendant que tu es en train de rechercher. Le temps viendra. The time will come. Le diable a volé. The devil stole. Mais il n'a pas détruit ce qu'il a volé. Destroy what he stole. Parce que ça ne lui appartient pas. Because this does not belong to him. It is for you that belongs.
de dire à quelqu'un que Dieu a confié au diable, de mieux garder ta chose, de mieux la préserver, de mieux la protéger, jusqu'à ce que tu atteignes la maturité, jusqu'à ce que tu atteignes ta mission, jusqu'à ce que tu sois au niveau que Dieu veut que tu sois. En réalité, tu n'as pas perdu. But you haven't lost it. Mais Dieu a confié au diable. God has given it to the devil. On dit toujours. You know what I'm saying. Si un voleur. If a thief. Dans une maison. In a house. C'est à lui qu'il faut confier les choses. To him that you should give. Et les choses vont plus se perdre. And the things won't be lost anymore. Makayata Satan. Amen. Comme le diable était un voleur. The devil is a thief. Dieu a confié cette chose au diable concernant ta vie. Devil le fait qu'il la vole. Et qu'il les garde. But he should keep them for you. Le diable, qu'est-ce qu'il a volé? Dieu lui a confié. But God gave them to him. To him. Amen. Amen. Mystère. Oh my God. Les sorciers pensent qu'ils t'ont volé. Which is the fault that the stones of God. Oh, Dieu leur a confié. But God has just kept them. Jusqu'à ce que tu atteignes le niveau. You reach the level. Pour aller réclamer. To go and claim back. Ce qu'il a gagné de toi. What he has kept from you. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, to somebody, tu n'as rien perdu. You have lost anything of tu n'as rien perdu de ta destinée. Tu n'as rien perdu de ta bénédiction. Tu n'as rien perdu de ta grâce. Dieu a simplement confié. Dieu a simplement confié. Et le temps viendra où le maître en aura besoin. Comme l'anon qui était attaché. Il était attaché pendant des années. Pendant des années. Pendant des années. Mais quand le temps du Seigneur arrivait, il dit allez dans le village qui est situé en Bethany, allez voir là-bas, il y a un anon qui est attaché, allez le prendre. Si quelqu'un vous demande, dites-lui le maître à la maison. Oh my God, je suis en train de dire à quelqu'un, le temps arrive où tu auras besoin du mariage, où tu auras besoin du travail, où tu auras besoin de finances, et le maître va agir en ta faveur. Alléluia. 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 Oh, donne-moi un amen vivant. Donne-moi un amen de gagnant. Amen de quelqu'un qui est béni. Quelqu'un peut se lever pour dire. It's not for you to lose. Ne pas seulement à pleurer. Fortifie-toi. Et prends courage. Parce que ce qui ne te tue pas, tu deviendras plus fort. Ce qui ne te tue pas sera ton témoignage demain. Ce qui ne t'intéresse pas sera ton témoignage demain. Sera ta force demain. Sera ton pouvoir demain. Ne pleure pas. Tu as béni des choses dans ta vie. Tu as béni des choses dans ton chemin. Tu as béni des choses dans ta relation. Tu as béni des choses dans tes affaires. Mais en réalité, Dieu a permis ces choses pour t'amener à le rechercher. Et quand tu l'auras trouvé, le temps viendra où les choses vraiment vont venir vers toi. Où les choses vraiment vont se tourner vers toi. Où les choses vraiment vont te rechercher. La Bible dit, Saül était fatigué. Il était prêt à abandonner. Il était prêt à retourner. Il était prêt à se détourner. Mais il était affaibli, il était fatigué, il arrive dans ta vie, dans ta marche, des moments où tu es fatigué, où tu es affaibli, où tu es découragé, mais sache que tu as toujours mis quelqu'un et il mettra quelqu'un auprès de toi, il mettra le prophète, il mettra le pasteur, il mettra les soeurs, il mettra les frères et sœurs auprès de toi pour t'encourager, pour te fortifier, pour avancer dans ta destinée, parce que la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement, parce que la gloire de ce commencement sera plus grande que celle de la première, que celle de la première, que celle de la première. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que le diable t'a volé? Qu'est-ce qu'il t'a arraché? Qu'est-ce qu'il a pris de toi? Ton argent, ta santé, ta femme, ton mari, ta famille, tes biens, tes affaires. Mais laisse-moi te dire, le temps arrive, le temps arrive.
arrive. Et c'est maintenant. Le temps arrive. Et ce n'est pas loin. Le temps arrive. Et ce n'est pas loin. Parce que le diable va te rendre. Tout ce qui t'a volé. Il va te rendre. Tout ce qui t'a pris. Il va te rendre. Et n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne te relâche pas. N'abandonne pas. Ce que tu vois, what you see, c'est pas ce que Dieu t'a préparé. Jésus. Touche ton voisin, Dieu lui n'abandonne pas. Do not get discouraged. Ne relâche pas. Do not let go. N'abandonne pas. Do not give up. Ne relâche pas. Do not let go. N'abandonne pas. Do not give up. Ne relâche pas. Do not let go. N'abandonne pas. Do not give up. Ne relâche pas. Do not let go. N'abandonne pas. Do not give up. Ne relâche pas. Do not let go. Pour ton mariage. For your marriage. Pour ton travail. For your work. Pour tes affaires. For your business. Pour tes papiers. For your documents. N'abandonne pas. Do not give up. Ne relâche pas. Do not let go. Même si c'est dur. Even if it's hard. Même si c'est compliqué. Even if it's complicated. N'abandonne pas. Do not give up. Ne relâche pas. Do not let go. Parce que là où tu es, because where you are, tu n'es pas loin de la grâce. It's not far from the grace. Là où tu es, where you are, tu n'es pas loin de la bénédiction. Là où tu es, tu n'es pas loin de ce soir. Là où tu es, tu n'es pas loin du témoignage. Là où tu es, tu n'es pas loin de la lumière. Ne te détourne pas. Turn away. Alléluia. Alléluia. Il dit là où on est arrivé. Il y a un homme de Dieu. A man of God. Là où tu es dans l'église. Il y a la grâce de Dieu. The grace of God. Là où tu es dans l'église. Il y a la main de Dieu. Of God. Là où tu es dans l'église. Il y a l'esprit de Dieu. The of God. Là où tu arrives dans l'église. Il y a la puissance de Dieu. Ne te décourage pas. Parce qu'avec la puissance, avec la grâce, grace, avec le Saint-Esprit, tu pourras connaître ton chemin. Tu pourras connaître ta voie. Tu pourras connaître ta destinée. Si tu es arrivé ici, if you come here, ne te retourne pas. Do not turn away. Do not turn back. Il y a quelque chose pour toi. Parce que Dieu est ici. Because God is here. Dieu est dans cet endroit. God is in his place. Dieu est dans ses serviteurs. God is in his servants. Dieu est dans le prophète. God is the prophet. Et Dieu parle. And God speaks. Et tout ce que Dieu dit, everything God says, ne manque pas d'arriver. Do not truly come to pass. Amen. Bless the Lord. Parce que Dieu agit ici. Because God's working here. Vous avez écouté le témoignage ce matin. You heard the testimony this morning. Un témoignage puissant. A powerful testimony. Un témoignage vivant. A living testimony. Et c'est une preuve que Dieu est vivant ici. It is an evidence that God is here. That God is powerful. Et que Dieu agit ici. That God's working here. Alors si tu es là, so if you here, prends courage. Take courage. Parce que ce que Dieu a fait dans la vie de son frère, God has done in the life of s'il a pu le faire, if he was able si c'est le même Dieu que vous priez, the same God, vous êtes vraiment dans la même église, if you are, vous avez vraiment le même père spirituel, si Dieu a fait pour lui, if God has done il a fait pour toi. Bien-aimé, beloved, nous devons apprendre à venir voir l'homme de Dieu. You have to learn to come and speak to the man of God. Et si désolé, I'm sorry, même si on est en Europe, even if you are in Europe, il n'a pas fait des vies privées. There's no matter of private life. Dans la voie de Dieu, il n'y a pas de vie. In the ways of God, there's no private life. Et le prophète, and the prophet, c'est le ministère qui ne connaît pas les vies. It is the ministry that does not know private life. Amen. Si vous restez dans le système de l'Europe, if you stay in the system of Europe, vous n'allez pas avancer dans le système de Dieu. You won't progress into God's system. Amen. Il y a des gens qui ont des problèmes. So people have a problem. Mais si je vais expliquer, say, if I go and explain, va connaître ma vie. They will know about my life. Va savoir que they will know that ça va pas.
Things are not right. Pourtant, l'église. When I was in church, everybody sees me nice, nice, clean. Like, if I tell him, he would say, oh! Je suis intéressé dans mon coin. Well, I should stay in my corner. Comme si tout va bien. Pretend as if Hallelujah. Tu danses. You dance. Tu sautes. You jump in. Ça va pas. But things are not okay. Tu ris. You're laughing. Tout le monde te voit. Everybody sees you. Mais à l'intérieur. But inside, ça va pas. Things are not okay. Quand tu rentres à la maison. When you go back home. Tu pleures. Crying. Oh Seigneur. Oh Lord. Pourtant, il y a un homme de Dieu. What is a man of God in here? Viens le voir. Come and see him. C'est un prophète. He's a prophet. Viens échanger. Come and viens le consulter. Come and consult him. On vous dit quelque chose. Let me tell you something. Le prophète ne va pas vers les gens. The prophet does not go to people. Mais quand il va vers toi, and when he goes to you, c'est que Dieu lui a donné un message. That God has given him a message for you. Alors. L'onction prophétique se manifeste à deux niveaux. Et quand le prophète se déplace, et à quand on se déplace venu à le prophète. Et le prophète se déplace rarement. Goes out rarely. On peut venir le voir à so tout can moment. Come see him Amen. Anytime. Amen. Vous comprenez? You understand? Donc, quand tu viens voir le prophète, so come and see the prophet, pour lui parler de ta you speak vie, to him about your life, s'active l'onction qui est en lui. Activate the anointing that is in him. Pour annoncer des choses sur ta vie. Things about your life. Tant que tu ne viens pas, as long as you do not come, tu demeures ici. You stay the way you are. Saül voulait se retourner. Saul wanted to go back. Mais s'il s'est retourné, but if he had gone back, sa situation n'allait pas changer. Situation would not have changed. Il n'allait rien avoir. Et le prophète n'allait même pas donner des paroles. He wasn't even going to give him any word on it. C'est pas toujours que Dieu dit. It's not all the time that God says, go to the speed, go to the path. Le moment comment il faut provoquer. That's the moment. Sometimes you should provoke. Et comment il faut provoquer? And how to provoke it? La voix du prophète. Amen. La bouche du prophète. Amen. Le cœur du prophète. Heart of the prophet. Comment faire le prophète? How you should make the prophet? A dit des choses sur notre vie. To say things over our lives. Dans le texte, il a dit quoi? In the text, what is he saying? Le serviteur a dit quoi? What did the servant say? Il a dit à Saül. He said, so, allons voir let le go voyant. And see the seer. Qu'est-ce que Saül a dit? What did Saul say? Il a dit quoi? What did he say? Rien. Je n'ai fait quoi? He said, I've got nothing. I've nothing. Il n'a plus. He had nothing. Quel est le rapport? What is the relationship there? On est allé voir l'homme de Dieu. Let's go and see the man of God. Quand il dit je n'ai plus rien. Saying I've got nothing with me. Ça veut dire quoi? What is the meaning? L'éducation qu'il a reçue, on va pas voir l'homme de Dieu. On va pas voir. You don't see on va pas voir l'homme de Dieu. Man of God. Les mêmes vies. Empty-handed. Mais vous venez nous voir les mêmes. You come and see us empty-handed. C'est pas ça? Isn't it? Amen. Vous venez nous voir les mêmes. Come and see us empty-handed. Les mêmes vides. Empty-handed. Donc viens pas me. Somebody even come and take from the man of God. Alphase, il va dans notre système. Alphase, c'est un man of this man. C'est trop fort. Don't let me debouir. Somebody come and take from the man of God. Take everything you want. Amen. Ah, et on a fait depuis. Il ne mange pas. Il s'habille pas. Is that person not dressing? Oh, il mange pas. Is that person not eating? Il s'habille pas. Is that person not dressing up? Comment il fait pour avoir ça? How does he manage to get all this? Il se déplace pas. He's not moving. Et si tout est payé, everything you pay in here, il fait pas ça. He does not do it all. Répondez-moi. Answer me. Il fait pas ça. Isn't he doing those things? So how does he manage to do that?
Il y a le serviteur de Saül. Tu as fait la même chose. C'est cool. Est-ce que vous voyez un peu? C'est le raisonnement. This is the reasoning. C'est le principe. This is a principle. Tu penses que tu n'as rien. You think that you have nothing. Oh, il y a toujours quelque chose. But there's always something. Si tu réfléchis bien, if you think properly, il y a quelque chose. There's still amen, something. Saül a dit quoi? Il dit, je n'ai rien. Il s'est dit, il y a quelque chose. Amen. Alléluia. Bon, quelqu'un qui dit n'a rien, il mange, the person il s'habille, il se déplace, c'est quelque chose. You got something. Allez, vous comprenez un peu. Do you understand? Wow. Amen. Amen. Où est l'onction prophétique? What? You see the prophetical anointing. Il dit quoi? It's a calm. C'est calme. Oh my God. C'est que ça rentre. Ça fait le touch him. You make him think. Amen. Ouvrez, non? See, et c'est des raisonnements qu'on lui diable dans notre tête. Je n'ai rien. To our mind. But I've done nothing in there. C'est parce que tu n'as pas compris. It is because you haven't understood. À la fois l'homme de Dieu. That you say et si on dit, il y a un travail pour toi. That's a word for you. Rien. And that you have nothing. On dit d'être là demain matin. Qu'est-ce que tu as fait? What will you do? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi pour l'homme de Dieu là? Why for the man of God you cannot do the same? Comment quand le diable arrive à nous avoir? Obviously, how the devil can get us? Il a dit à Abidjan, il a dit son fils. Abidjan, one day will pass. Il dit sur le nom de son père mort. If today your the father is dead, you got nothing then. Ton papa est décédé. Your father is dead. Tu as trouvé l'argent. You found money then. Pourquoi? Parce que tu dois honorer. You must honor. Sa mémoire. His memory. N'est-ce pas? Isn't it? En poser des actions. Between posing actions. Pour quelqu'un qui est parti. Somebody who's gone. Et pour poser des actions. Pour toi-même ta propre. For yourself, your own destiny. C'est parce qu'on ne voit pas l'importance. We don't see the importance. Du principe du mystère qui est caché derrière la parole. Hidden behind that word. And say you have nothing to find excuses, but in the principles there's actually no excuses. Tu fais, tu gagnes. Tu fais pas, c'est comme ça. If you don't do it, oui, like this. C'est une question. C'est des questions que je suis en train de poser. Parce que tu entends éclairer l'esprit des gens. You are enlightening the spirit of each one of us. Maintenant, tu as envie de poser un acte. Tu veux voir l'homme de Dieu. Et tu n'as rien. And you have nothing on yourself. Now. Saül a dit quoi à son serviteur? Saul said what to his servant? Il dit, on ne va pas voir l'homme de Dieu. Man of God, empty-handed. Ça veut dire quoi? Quand tu vas voir l'homme de Dieu. When you said to go and see the man of God. Il y a deux façons de voir l'homme de Dieu. There are two ways of seeing the man of God. Ah, papa, je viens te voir. Daddy, I've come to see you and then you talk. Mais quand tu sais que tu es dans une situation, ça lui est dans une situation, c'est aimé. Saul was into a situation, isn't it? Il a cherché la chose pendant 3 jours. C'était tellement important pour lui. So important to him. Parce que c'est important. So the way that it's important, you cannot go before the man of God. And the man of God will do it as if something just talk, you know, simple conversation. Je vous donne un secret. I will give you a secret. Votre manière de vous approcher de l'homme de Dieu of close to the man of God, donne à l'homme de Dieu de prendre les dispositions qu'il faut. Give to the man of God to take some disposition that I require. Ah! Amen! Il dit, c'est tellement sérieux. Si c'est des gens qui devaient nous parler, c'est comme si nous ne devions pas négliger. Mais s'il est bien, comme il se doit. Mais ça ne c'est pas un amusement. You know that I'm not joking there. Voyez l'exemple. An example. Tu viens voir le pasteur. You want to come and see the pastor. Et puis tu veux une offrande. And you give an offering of 1 million. 1 million. 1,000 pounds. You come with an offering of 1,000 pounds. Je dis papa, mais moi. Daddy, c'est trop chaud. I come to see you. Things are too hard. Cotisé pour venir te voir. So I've collected the money to come and see you. Quand lui-même voit ça. When himself will see that. Non seulement son cœur fait 1 million. His heart is doing 1 million. Parce qu'il voit le frein. Because he sees the offering. Mais maintenant ce cœur commence à battre fort. Parce qu'il sait que le problème est vraiment sérieux. Parce que tu as posé là. Il faut que tu agisses. Allez vous renvoyer. Do you understand? Mais il ne va pas dormir. Yeah, he's not going to sleep. Parce que si Dieu n'agit pas là, God is not working, on voit comme ça, on ne va jamais revenir. Like this, we'll never come again. Est-ce que vous comprenez? I don't know if you understand. Si Dieu agit, tu es capable de faire deux fois. You're able to do it twice, man. Oui, c'est vous qui devez mettre l'homme de Dieu dans la condition. Et Saül savait ça. Il dit, jamais on va comme ça, il ne va pas considérer le problème. This, he will not take consideration of that problem. Amen. C'est le principe. C'est pas parce que c'est pas que l'homme de Dieu n'a pas the man of God likes mais Dieu connaît l'homme. But God knows mankind. Amen.
Et c'est ce qui fait que beaucoup ratent la bénédiction. Quand tu as un problème sérieux, tu ne vas pas consulter l'homme de Dieu la plus vite. Consult the man of God empty-handed. Il faut qu'il sache que he has to know ce que tu vis là, what you're living, c'est ta vie qui est là. It's your life. Quand lui-même prend l'enveloppe, God himself take the envelope. Son cœur n'est pas en paix. His heart is not in peace. Mais il sait qu'il ne doit pas manger ça gratuitement. You understand? Est-ce que vous voulez un peu? Do you understand? Quand il prend l'enveloppe, il sait que c'est ta vie qui est là. Donc pendant qu'il mange là, so son esprit lui dit, his spirit is telling him, tu ne dois pas jouer le problème de la personne. Amen. The problem of this person then. Quand tu dois voir l'homme de Dieu, and see the man of God in the spirit to him, lui-même là, himself, si il a prié, t'es sauvé. If he has prayed, si il n'a pas prié, parce qu'il n'y a rien qui accompagne. There's nothing that goes with it. Is your spirit open? Oui. You see? Et c'est Dieu qui établit ça. Et les Juifs marchaient là-dessus. Ça, ils savaient, dit non. So new. Mon serviteur. Servant, mon petit. My little one. On ne peut pas aller là-bas. You can't go. Tu n'es rien. Have nothing. Alors, on a dit, il y a quelque let's chose. Go home. He said, we have something. Est-ce que c'est le prophète qui a demandé ça? Non, non, non. Vous-même, vous devez savoir ça. Yourself, you should know such things. Amen. Il y a des hommes de Dieu comme nous. Like on n'aime pas trop l'argent. We don't like too much money. Non, pas trop. We don't sleep too much. C'est venu. You've come. On prie. You pray. T'es envoyé où? You brought. You pray. T'es pas envoyé où? We brought it. On prie. We pray. Non, on fait son. We just do. Mais en réalité, par moments, ça vous arrange. Sometimes it is not good for you. Parce que les principes sont pas établis. The principles are not established. The prayer is not no such impartation. Amen. C'est pourquoi, that is why, quand on va chez féticheur, when you go to a witchcraft doctor, est-ce qu'il faut aller chez féticheur? Is anybody wants to see a witchcraft doctor? Est-ce que féticheur te dit bien quelque chose? Is a witchcraft doctor? Tu sais que là où tu vas, by yourself, il y a un sacrifice là. There's a sacrifice to make there. Amen. Mais c'est le même principe. It is the same principle. Mais c'est nous, on laisse le diable distraire. Leaving the devil to distract us. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Donc, so, il ne faut pas aller voir l'homme de Dieu. Don't go and see the man of God empty handed. Il y a des gens qui ont des sérieux problèmes. People who have serious problems, but when they come, nothing. No, no. Saul understood this. Amen. Je veux que vous compreniez ça. Amen. Parce que vous avez une onction prophétique sur vous. Prophétique anointing. Vous devez lui permettre à cette onction de se libérer, d'agir. Elle veut travailler. Il veut travailler. Il veut travailler. But it's like there's no disposition. L'argent n'est rien. Money is nothing. Par rapport à ce que Dieu va te donner. Compared to what God is going to give you. Et ceux qui ont commencé à expérimenter, ça peut être témoignage. Those who they can give business. Ceux qui ont donné pour ça que c'était gros. They gave the food that was big. But when God blessed them, they were. Je ne veux plus m'arrêter. Father, I want to stop again. Amen. Amen. Ce que tu as. What you have. It's nothing compared to what God is preparing. Amen. Si tu rentres dans le mystère, je sais que. Enter into this mystery of this event. Is become ton alliance, your covenant, et tu montes, and you go out. Et à un moment, les choses vont arriver. À un certain point, c'est quand c'est que Dieu aime dans l'église. You might think that it's only you that God loves, because every time there's testimony, every time there's this thing, every time there's grace is coming down. Amen. Hey, libérez vos mains. Release your hands. Open. Ce que Dieu vous réserve plus. What God reserves for you is greater. C'est que tu n'en as rien par rapport à ce que Dieu te dit. Is nothing compared to what God is reserving you. Si tu n'as pas compris, if you haven't understood, en t'attachant, by attaching yourself, tu vas pas rentrer dans ce que Dieu veut. Not enter into what God wants to. Amen. La première fois que je t'ai venu ici. The first time that I came here. C'est la première fois, la deuxième fois. Only if it was the first or the second time. Quand j'ai fini le programme, je devais rentrer à Abidjan en même temps. Program, to go back in Abidjan. Le vieux père m'appelle. My daddy called me. Il dit petit. He said, young man. Il faut qu'il y ait une complicité. There has to be a complicity. Une intimité entre vous et votre père. Between you and him. Je vais au bureau. I'm going to the office. Je suis au bureau. Je suis en train de travailler. I'm working. Il dit, ma fille qui m'appelle. One of my daughters who called me. Elle dit, papa, il doit venir te voir. Daddy, you have to come and see you. J'ai une offrande pour toi depuis I've got an offering for you. Il dit, oh, ma fille. I said, daughter.
Après, je suis fatigué, je suis dans mon bureau. Je sais le faire les offrandes. Donc, je sais ce que c'est. Donc, je sais ce que c'est. Amen. Je vais faire les offrandes chaque mois. Donc, je sais ce que c'est. Donc, je sais ce que c'est. Elle m'appelle. Donc, je suis dormi. Je suis sorti de ce temps. Je suis sorti de ce temps. Je suis sorti de ce temps. Non, mais c'est pour lui, attends, il est sérieusement là. Quand Dieu veut te bénir, when God wants to bless you, la bénédiction va te persécuter. Amen. C'est là-bas mon salut est. That's where my salvation is. Attends, attends. Wait. Amen. Et je ne peux pas, les gens travaillent. I have to go and work. Je dois recevoir les gens, puis j'ai un peu dans les bouquets de papa. Il faut que je te donne ça. I have to give you si je ne te donne pas, if I'm not giving you, ah, papa. Ah, daddy. Ah, il y a des qui peut se passer après. I don't know what can happen after. I said, okay. Il y a quoi de bien dit ce que je veux dire? What should I absolutely get it? Elle m'a jamais dit ça. She never told me such thing before. Mais aujourd'hui là. But today. Elle dit ah said, après il sait pas hein. I don't know. Il sait qu'il y a quelque chose. Il m'a dit something. Elle dit ma fille là où tu es. Where you are. Dans la direction du monde. Your spirit come to me. Et les choses qui peuvent amener l'homme de Dieu à avoir des sous ouverts. Et là où tu es maintenant, where you are now, je viens de rentrer dans l'esprit. Just come dans la direction du bureau de Dieu. Dans la direction du bureau de Dieu. Viens tout droit. Si quelqu'un t'arrête, ne le coupe pas. Viens me rappeler. Alléluia. Elle est venue. Chicken. Il a cette ma fille. Elle s'est dit non. Je papa, il fallait qu'il te donne. Parce que moi-même, là, ça va passer dans ma tête. Même pour non, let the devil come in my mind and remove things. J'ai compris que c'était plus la même dimension. Understood that it wasn't the same dimension of offering. Et après, où le devil a mis sa tête. The devil will come and mess up in the mind. Et dit ma fille. I said, okay, daughter, pose l'offrande. Give the offering then. Quand elle a posé l'offrande. When she give the offering. The devil is a liar. When I saw the envelope, something told me. Because when you put the note, when it goes bigger, thicker, you say, it's a block. But when it's blocked like this, you're like, oh, ouais, le nouveau billet. So those new quand, tu vois, quand tu prends un nouveau billet, to the bank, c'est bien dressé. Donc quand tu mets dans l'envelope, ça gonfle pas trop. Quand tu mets dans le nouveau billet. But it was the new note. So I took it dans mon cœur, in my heart. I said, okay, ma fille, je prie. Okay, doctor, I will pray for you. Let me see the offering. Fais comme ça. Même quand je veux ma fille. Sors dans ma way. Ouais. L'onction est descendue sur moi. On sort de la way. Amen. Comment mes filles devaient tous se laisser à ça? Après, je vais vous dire ça. Il y a un peu de temps à arriver. Il y a des choses qui réveillent l'onction. Alléluia. 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 Amen. Alors, ma fille, so elle est dans le ministère de l'enfant. Elle fait des cellules et tout ça. She's having self prayers. Elle allait prier pour quelqu'un. She wants to pray for somebody. Que Dieu a béni. And God bless the person. Il a levé l'offrande d'un million. And he gave her the offering of the 1,000 pounds. When she took the 1,000 pounds, she said, c'est pour mon papa. I must give it to my dad. Moi aussi, j'étais d'autre côté. Myself, I was on the other side. Travailler. I finished work. On m'a donné mon argent. I received my money. On m'a dit, ça, c'est pas pour toi. He said, this is not yours. This is mine. Give it to me. Vas-y, vous voyez un peu. You see. Donc
chansons prophétiques, ne jouez pas avec. Pendant qu'on m'arrache aussi, ici, Dieu s'arrache à quelqu'un. Mais quand tu comprends cette principe, ça fait mal. Mais tu sais qu'après tu vas rire. But you know that after you'll be laughing. Oui, tu vas rire après. You'll be laughing after. Non, maintenant, quel est le fils? When he said son, I said yes. Tell me whatever you want. Quel est le fils? Il dit non, 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 somebody else. Et quand vous comprenez le principe, ça devient une alliance pour vous. Et vous vivez des miracles financiers. And you are living financial miracles. Voilà comment on le fait avec les prophètes. Il y a des gens qui attendent son nom. Comme le Dieu va dire, ah, il y a bien ça. Mais quand tu vois, when you look, tu dois connaître tes parents. You must know your parents. Si ils parlent avec toi, tu sais que ça ne va pas. You know that things are not okay. Vous voulez bénir. You want to be blessed. Le temps s'en va. Est-ce que ça vous plaît? Le temps est passé. The same to them also. C'est très important. Vous voulez bénir, c'est là. Ne vous cherchez loin, c'est qui a tout près. What is close? Papa, il changeait l'église de prophète. C'est là, applique le principe. Prophets, it's just there. Apply the principles. Et c'est ce qui fait ma grâce. And that's what is making my grace. That's what is making my visitation. Et je me suis arrêté à l'église. One day I stood in the church. Et puis j'ai dit. And I said. Dieu bénit l'église. God bless the church. Et l'église fait des choses pour moi. And the church is doing things for me. But ma bénédiction, tout ne vient pas de l'église. All does not come from the church. J'ai dit à l'église, la plupart du temps, most of the time, j'aide beaucoup de personnes en église. I have a lot of people in the church. Et les sommes d'argent que je donne à certaines personnes sont dépassées. I give to some people, they are surprised for the problem. Moi-même, j'investis dans l'église. Myself, I invest in the church. La plupart c'est égal. Most of what quand I'm earning, but if you have to do decoration in the church, you have to buy the seats and all this myself. Je donne d'abord le premier. I'm giving the first. Donc je dis, people of God, l'Église nous bénit. The church blesses us. But my strength is not only the church. Dieu touche des gens. God touches people. Parce que moi, si je m'investis, invest myself for. Quand tu t'investis pour le Seigneur, au-delà même de ton travail, Dieu ouvre d'autres portes. C'est passé dans ta tête. Quand tu penses que tout ce que tu vas avoir, c'est par ton travail, c'est là que tu fermes les portes. Mais si tu sais que Dieu peut passer par tous les moyens pour te bénir, alors tu vas relâcher pour faire plus. So that the work of God will progress. Et Dieu veut te bénir. And God wants to bless you. Il a mis des gens pour te bénir. Put people there to bless. Il y a des situations qui vont provoquer. Situation that will provoke. Il y a des choses qui vont envoyer pour te bénir. Il y a des gens qui vont mettre au fond des portes pour te bénir. To bless you. Mais tout dépend de ta disposition. On your disposition. Ne venez pas voir l'homme de Dieu. Don't come and see the man of God empty-handed. Amen. Si vous prenez soin de votre papa, of your father. Son action sera libérée. Chaque fois qu'il appelle call, le vieux père, the old man, il me bénit au bien-aimé, quand tu as cette intimité là, intimacy, ta vie ne peut qu'avancer. Your life can only progress. Il y a des choses que tu vas vivre, tu vas toucher, toi-même tu serais étonné. You touch yourself, you'll be surprised. Et dans le temps normal, tu ne peux pas mettre ça. Mais tu as la grâce à quelque chose. Mais c'est la grâce qui est bonne pour nous. Nous devons rechercher ça. We must look for this. Ne vous donnez pas des excuses. Do not give yourself excuses. Fight. Efforcez-vous. Make the effort. Et ceux qui le font, vous êtes bénis. Et vous serez encore bénis. Ceux qui ne le font pas, vous commencez à le faire. Et vous allez rentrer dans la visitation. Amen. La vie chrétienne, c'est le principe. Ne pensez pas qu'il suffit de venir s'asseoir, prier. Ça ne suffit pas. No, it is not enough. Il faut connaître les principes. You have to know the principles and apply them all. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des vrais pasteurs qui sont venus voir. Some brother pastors that came to see me. Quand ils me regardent, when they look at me, they don't understand. Je leur dis l'église. I told them the church. Ne fait pas beaucoup de choses pour moi. Does not do much things for me.
C'est que je dors. Et je prends soin de mon père. And I take care of my father as I can. C'est très important. This is very important. C'est le principe. These are principles. Même les gens du monde savent. Even people of the world know it better to do it than us. When they have the witchcraft doctor, je perds. Mara Boutet, Mara Boutet, you didn't ever seen that. Mais nous, on réfléchit trop. On calcule trop. Calculating too much. These are principles. Au début, c'est difficile. In the beginning, it is hard to accept them. It is hard to practice them. Mais quand tu te forces, when you force yourself, et que tu découvres le secret, and that you discover the secret, c'est plus quelqu'un qui t'a dit. It is not only someone who tells you. You're looking for opportunities now. Papa, tu veux pas quelque chose? Daddy, you don't want it. Papa, même quand il dit non, he says no. Take it. Quand il voit ça, ça when amène this, à son le prophète, le prophète n'est pas comme le pasteur. The prophet is not like the pastor. Le prophète c'est des actes. The prophet is action. Le prophète est des actions prophétiques. Le prophète est action. Quand il y a une action qui est posée, je suis obligé de poser aussi sur son blanche. Amen. Pose l'action aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Et ça c'est important. And this is important. Alléluia. Et la Bible dit. And the Bible says. On va aller terminer le temps. We'll go now to fill the holes. Quand la parole de Dieu fait du bien, the word of God is doing its good stethoscope. Et quand ils sont partis. When they went. La Bible dit. The Bible says. Que la veille. That the eve. Avant que eux ils arrivent. Before they got there. Dieu avait déjà parlé. God already spoke to the prophet Samuel. Quand tu disposes ton cœur, ces choses, Dieu a déjà donné la solution. God has already given the solution to the man of God. Amen. Quand ils sont arrivés, when they got there, avant qu'ils arrivent, avant que le jour ne se présente, Dieu avait déjà dit à Samuel, je vais t'envoyer un homme qui est de la maison de Benjamin, de la tribu de Benjamin, vers toi. Tu vas le joindre. You will anoint that person as the king of Israel. Alors que lui partait voir Samuel, pourquoi? Samuel, what for? Pour les années de son père. Quand tu vas consulter l'homme de Dieu pour ton besoin, of God for your non seulement l'homme de Dieu va agir pour ton besoin, mais il va aller encore plus loin. Pour les choses que tu ne sais pas, pour les choses qui vont arriver, ça veut dire que Dieu va ajouter. Alléluia. Alléluia. Dieu va ajouter. Il est allé. He went. Parce qu'avec le champ prophétique, with the prophetic anointing, il faut provoquer. You have to provoke. C'est ça que vous savez. That's what you do not know. Avec l'onction pastorale, with the pastor anointing, il n'a pas besoin de provoquer. You don't need to provoke. Parce qu'il va chez toi. Pastor quand il me voit déjà, il commence à prier. He sees, he really starts praying. Parce que le pasteur, c'est comme un médecin. He's like a doctor. Il soigne. He heals. Si un médecin voit quelqu'un qui blesse, doctor sees somebody who did, il va soigner d'abord moi des feux. The person before doing something else. Il va commencer la loi dit. So this is the law. When someone is in danger, save the person before he blesses. Mais le prophète. But the prophet. Il faut poser des actions. You have to pose some action. Pour réveiller son action, pour agiter son action. C'est comme ça que son prophétique fonctionne. The prophetical anointing. These are words. Et c'est cette même option qui agit sur les féticheurs, onto the fetish doctors, sur les marabouts, et tout ça. And all those things, mais seulement pour le diable. Only for the devil they're doing. Vous voyez que c'est le même principe. Vous voyez que c'est le même principe. Vous voyez que c'est le même principe. C'est pourquoi un jour on a dit au prophète Élisée, il va dire au prophète Elisha, viens jouer de la qu'on appelle come, viens prophétiser, come and prophesy, viens dire quelque chose, come say something. Il a regardé, il a demandé, he asked, est-ce qu'il y a un joueur de la harpe? Is there any player on the harp? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut chanter? Is there somebody who can sing? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut créer l'atmosphère? Who can create the atmosphere? Que je puisse prophétiser? For me to start prophesying.
dis envoyez-moi une joie de la harpe. C'est-à-dire envoyez quelqu'un qui va réjouir mon cœur. Envoyez quelqu'un qui va chanter pour que mon cœur soit apprécié, pour que je sois réjoui, mon cœur soit content, pour que je puisse prophétiser. Donc l'onction prophétique, elle doit être en manifestation. Il y a une action qui est posée. Disposer l'homme de Dieu à parler. To dispose the man of God to speak. If you want the man of God to speak over your destiny, provoke him. And the moment God will speak to you, you can provoke him so that he will speak. Amen. Provoke him. You are blessed. Vous êtes béni. You are blessed. Vous êtes béni. Amen. You are blessed. Quand Saül est allé, Samuel lui a dit, Samuel asked him, il n'a même pas commencé à parler. He didn't even start talking. Samuel dit, assieds-toi. Samuel said, sit down. Il ne veut pas m'asseoir, c'est-à-dire que il dit, tais-toi, assieds-toi. Quiet, just sit down. Oh my God. Dès ton voisin, il y a plus grand que tu le recherches. Il y a plus fort que tu le recherches. C'est ce que tu recherches. Il y a son plus fort qui est là. Ce que tu veux. Il y a son plus grand qui t'est réservé. Il dit assieds-toi, Samuel. Samuel, assieds-toi. Il dit assieds-toi. Le moment que tu as expliqué, ce n'est rien par rapport à ce que je veux faire. Assieds-toi. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu vas aller vers l'homme de Dieu, il y a des choses qui vont libérer dans ta vie qui seront plus grandes que ce que tu recherches, qui seront plus grandes que ce que tu désires. Alléluia. Parce que la main de Dieu n'est pas limitée. La main de Dieu n'est pas limitée. Ce à quoi tu penses, Dieu peut faire plus grand. Ce à quoi tu penses, il peut faire plus grand. Ce que tu recherches, il peut te donner plus grand. Amen. Il dit assieds-toi. Il y a ton voisin, assieds-toi. Reste là. Stay there. Ne va pas quelque part. Go anywhere. Assieds-toi. Dieu va faire de grandes choses. Il va te donner de grandes choses. Ne regarde pas, ne promène pas tes regards. Dieu va faire de grandes choses. Assieds-toi. Just sit down. Quand vous soyez, il y a des gens qui sont dans l'église. Des gens qui sont assis. People sitting there. Mais ils ne sont pas tranquilles. But they are not calm. Ils doivent bouger. They have to move. C'est si tu es assis. Because if you're sitting there, tu vas mieux comprendre. You will understand better. Mieux connaître. Or have more knowledge. Learn more. Pour devenir grand. To become great. On doit s'asseoir. You have to sit down in the church. Settle down in the church. You have to accept to sit down. Position the one who are into the sitting down position. C'est quelqu'un qui est prêt à apprendre. C'est somebody who's ready to learn. C'est quelqu'un qui est prêt à écouter. Somebody who's ready to listen. C'est quelqu'un qui est prêt à recevoir. Who's ready to listen. C'est quelqu'un qui est prêt à participer. Somebody who's ready to be built up. Pour connaître l'élévation. To know the elevation. Parce que Dieu élève. Because God elevates. Celui qui a réussi. The one who's bound himself. Mais ça veut s'élever. Et les gens qui ont bougé parce qu'ils ont vu des choses, ils disent des choses. Assieds-toi d'abord. D'abord. Reçois d'abord les instructions. First the instructions. Je vous ai dit que le prophète, c'est quelqu'un qui donne la direction. C'est quelqu'un qui donne des instructions. C'est quelqu'un qui oriente. Somebody who orientates. Tu as besoin d'orientation. You need orientation. Assieds-toi. Sit down. Saül s'assoit. So il fait son offrande. Well, mais ce n'est pas ça qui intéresse. It is not what matter. Samuel. To Samuel. Il lui dit. He told him, ne t'inquiète même plus. Don't even worry anymore. Pour les annexes de ton père. C'est pour ça que tu es agité. That's why you're so agitated. C'est pour ça que tu n'as pas te maîtriser. You don't want to calm la situation down. Que tu vis. The situation that you agite. Tu n'as pas la paix. Tu ne comprends plus rien. You don't understand anything anymore. Tu es perturbé. You are disturbed. Et Dieu te dit ce matin, sois tranquille. Calme-toi. Calm down. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Le problème que tu vis aujourd'hui, tu ne vas plus jamais le vivre. Parce que Dieu va éteindre sa main. Dieu va stretch his hands and he will glorify himself. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit les années lesquelles tu es inquiet. Which you are concerned. Ça fait 3 jours. The 3 days. Les années ont déjà été retrouvées. Oh, quelqu'un me comprend? Somebody understand? Quelqu'un comprend le mystère? Somebody understand the mystery? Saül est parti 3 jours. Went 3 days.
Et trois jours, il n'a pas trouvé. Pendant qu'il ne trouvait pas, les ânes avaient déjà été retrouvés. Mais Dieu permet ça pour qu'il aille à la rencontre de qui? De Samuel le prophète. Samuel the prophet. Il y a des choses qui vont se faire dans ta vie pour que l'homme de Dieu parle sur ta vie pour annoncer l'arrivée de grandes choses. Il y a des situations qui vont arriver dans ta vie pour que l'homme de Dieu parle dans ta vie pour faire intervenir des choses même que tu ne recherches pas. Alléluia. La Bible dit trois jours avait perdu, mais trois jours auparavant, les ânes avaient été déjà retrouvés. Je suis en train de dire à quelqu'un qui s'est pris. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce qui te manque. Je ne sais pas ce que tu recherches. Mais la Bible dit de la même manière, trois jours, les ânes avaient été retrouvés. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a trois jours, que Jésus allait dans le tombeau. Les gens comptent le premier jour, deuxième jour, mais le troisième jour, Jésus a été ressuscité. Il a été ressuscité avec ton problème, avec ta maladie, avec ta situation, avec ta bénédiction, avec ta grâce. Depuis trois jours, Jésus a apporté la réponse à ta bénédiction. Depuis trois jours, ta destinée a été rétablie. Depuis trois jours, ton miracle a été rétabli. Ce qui avait été volé, ce qui avait été perdu, ce qui avait été détruit, trois jours dans le tombeau, la Bible dit, Jésus allait dans les profondeurs de la terre, il allait dans le royaume de Satan. Il a dit à Satan, tu as volé à l'humanité, tu as volé à Adam, donne-moi, pendant qu'il disait, donne-moi les clés, il parlait de ta clé, il parlait de ton miracle, il parlait de ta grâce, il parlait de ton travail, il parlait de ce papier, il parlait de ton séjour, il parlait de ta destinée, il a lâché les clés, et trois jours après, il est ressuscité, il est ressuscité. Ton mariage est ressuscité, ton voyage est ressuscité, ton travail est ressuscité, tes finances sont ressuscitées, ta santé est ressuscitée, ta grâce est ressuscitée, ton témoignage est ressuscité, ta vie est ressuscitée, ton miracle est ressuscité, tout est ressuscité. Retrouvé. Ce que tu cherches était déjà retrouvé. Parce que trois jours après, Jésus est ressuscité. Et il est ressuscité avec tout ce que le diable a volé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais en plus de ça, even more, il dit assieds-toi, Samuel. Et assieds-toi, Samuel. So, écoute-moi bien. Non seulement les années sont terminées, mais c'est pourquoi tu es venu vers moi. C'est que Dieu t'a choisi. God has chosen you. Être le roi d'Israël. Il est le premier roi d'Israël. The first king of Israel. Le premier roi d'Israël. The first king of Israel. Tu seras chef. You will be the chief of the people of God. Tu seras chef. You will be the chief. Saül dit moi. Saul said, me. I am a child. Moi. Me. Ma famille. My family. N'a pas de nom en Israël. They have no name of Israel. Ils sont rien en Israël. They are nothing in Israel. Notre tribu. Even in our tribe. Dans notre village. In our village. Ma famille même n'est pas considérée. They are not considered. Et dans notre secteur on a mis là. Nous on a la plus vilaine maison. We have the worst house. Quel que soit ton nom, si Dieu a décidé que tu sois chef,
tu seras chez moi. Si tu as décidé que tu sois élevé, tu seras élevé. Si tu as décidé que tu sois béni, tu seras béni. Quelle que soit ta connaissance, quelle que soit tes relations, quelle que soit ta connexion, si tu as dit que ça va arriver, et ma prière ce matin, c'est que Dieu parle à ton sujet pour dire tu n'auras plus la même position, tu n'auras plus la même place. C'est lui qui dit amen, ça va arriver à sa vie. C'est lui qui dit amen, ça va toucher sa vie. C'est lui qui dit amen, ça va être ta destinée. C'est lui qui dit amen, ça va être ta destinée. Je déclare ce matin, je prophétise ce matin, je libère le ciel ce matin. Et j'annonce que tu puisses connaître une élévation, une promotion, une ouverture, une stabilité. Dans l'onction prophétique, dans l'onction de votre Père, dans la grâce de votre Père, je parle et je déclare et j'annonce que tu sois la tête et non la colle, que tu sois la tête et non la colle, que tu sois la tête et non la colle, que tu sois la tête et non la colle. S'il y a des gens qui combattent, s'il y a des gens qui se lèvent contre toi, à partir de ce matin, je déclare. À ta grâce, s'il y a des gens qui ne voulaient pas te voir avancer, progresser, je me tiens dans le sang de la gloire. Et le ciel est d'accord avec moi. Dans l'onction prophétique, je déclare ton avancement, je déclare ta promotion, et je donne qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe, au nom de Jésus. Que ceux qui vivent le
this morning. Le déblocage arrive. Le déblocage arrive. Entrez dans votre destinée. Entrez dans votre grâce. Entrez dans votre victoire. Que chacun soit béni. Que chacun ait sa maison. Que chacun ait sa propre tuile. Que chacun ait ses affaires. À partir de ce matin, Dieu fait de vous des hommes et des femmes de bénédiction, de grâce, de faveur, de victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Église de la nouvelle alliance. Maintenant, Dieu fait de cet endroit un endroit de bénédiction, un endroit de grâce, un endroit d'amour, un endroit de paix, un endroit de joie, un endroit de consolation, un endroit de réconfort. L'onction prophétique est libérée. Hands up now to the Lord. Please lift your hands up to the Lord. Saint-Esprit. Holy Spirit. Je vais bénir ton nom ce matin. I want to bless your name this morning. Tu es le Dieu qui bénit. You're the God who bless. En une minute, Seigneur. In 1 minute, Lord. Que l'onction prophétique se manifeste. The prophetic anointing will be manifested. En une minute, Seigneur. In 1 minute, oh Lord. Que l'onction prophétique touche chacun dans cette salle. Anointing touch each one in this hall. La puissance de Dieu soit déployée sur chaque personne. Now to each person. Parce qu'il y a des gens que Dieu va visiter. There are people that God is going to visit. Et des gens que Dieu va bénir. Some people that God is going to bless. Et des gens que Dieu va restaurer. People that God is going to restore. Et des gens que Dieu va élever. People that God is going to bless. Et des gens qui vont connaître. Some people that will know. Un témoignage pas possible. Testimonies unbelievable. Pendant que je suis en train de parler. While I'm speaking. Dieu me montre des choses. God is showing me things. Dieu me fait voir des choses. God is making me see. Pendant que je parle. While I'm speaking. Je sens cette grâce maintenant. Qui est en train d'arriver, qui est en train d'arriver, une personne n'est pas mise, qui souffre, qui est perturbée, qui a mal dans son cœur, qui ne sait à quel saint se vouer. Le Saint-Esprit me parle sur lui, et il me dit, il a entendu tes cris, il a entendu tes pleurs, il a entendu ta voix, mais ce matin, ce message est pour toi, c'est le Dieu qui retrouve ce qui a été égaré, ce qui a été volé, ce qui a été arraché. Dieu est en sa méchante. Il te touche de sa grâce. Il te touche de sa présence. Il te touche de son esprit. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Les choses vont changer à ta faveur. Les choses vont se positionner pour toi. Dieu est vivant. God is alive. Et il est puissant. Is powerful. Il est vivant. He's alive. Et il est puissant. And is powerful. Oh my God. Alléluia. Shanda barayonto sokene mawe. Lonto lobo sinta. Oh, quelque chose va se passer tout à l'heure. Il y a des gens que Dieu est en train de visiter. Il y a des gens que Dieu est en train de toucher. Pendant que je parle, while I'm speaking, une personne est parmi nous. One person is among us. L'onction de Dieu arrive. Je sens une onction de guérison. 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 Pendant que je parle, la puissance est Dieu, l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, libéré pour toi maintenant, reçois l'esprit de Dieu, la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Je t'apporterai. De le servir. Avant de parler de lui. Avant d'annoncer des choses. Laisse-moi te dire. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas dans ta destinée. Parce que tu vas le prêcher. Tu vas le servir. Tu vas annoncer. C'est pendant que je parle. L'onction de Dieu. La puissance de Dieu. Va tomber sur toi. Attester ses paroles. Et le suivant de gloire. Sa main est sur toi.
sa grâce est sur toi. Aide-la parce que ça va bousculer. Aide-la parce que ça va la secouer. Aide-la parce que l'onction est en train de l'envahir. Aide-la parce que ça va bousculer tout le monde. Elle va bousculer tout le monde. Sa grâce. Reste là. Aidez-moi, il n'y a personne, mais le Saint-Esprit est en train de faire un travail dans ta vie. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail dans ta vie. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est là pour toi. Sa main est sur toi. Sa grâce est sur toi. C'est comme un feu. C'est comme une chaleur. C'est comme une foi de présence. Pendant que je parle, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Aidez-la parce que là où elle est, elle ne pourra pas tenir la grâce. Dieu veut guérir quelqu'un. God wants to heal somebody. Je ne sais pas de quoi tu souffres. I don't know what you're suffering from. Je ne connais pas de ce dont tu souffres. I don't know what you're suffering from. Pendant que je suis en train de parler, while I'm speaking, je sens l'onction de guérison. I feel the anointing of healing. Je sens l'onction de guérison. I feel the anointing of healing. Je sens l'onction de guérison. I feel the anointing of healing. Dieu va toucher quelqu'un ce matin. God will touch somebody this morning. Dieu va visiter quelqu'un ce matin. God will visit somebody this morning. Pendant que je parle, while I'm speaking, pendant que j'annonce ces choses, while I'm announcing those things, la puissance de Dieu, the power of God, l'onction de la guérison. Of healing est prêt à se manifester. It's ready to be manifested. Est prêt à agir. It's ready to on act. Peut simplement lever la main vers le just Seigneur. Have to our hands on peut simplement lever nos mains vers le Seigneur. Lift up your hands to heaven. Le Dieu de guérison. The God of healing. Le Dieu de miracles. The God of miracles. Le Dieu de délivrance. The God of deliverance. Est prêt à agir ce matin. Ready to act this morning. Est prêt à se manifester ce matin. To manifest himself this morning. Oh, notre chaîne de bébé. Randa kashakin tarabawe. Mama yanta holo songi libiwe. Rima kasanta babe. Pendant que je parle, speaking, je vois quelqu'un rentrer dans une grâce into a de bénédiction. Blessing, je vois un marché pour toi. Je vois un marché pour toi. Je vois un marché pour quelqu'un. Je vois un marché pour quelqu'un. Tu es en train de confier un marché à quelqu'un. Tu es en train de voir une bénédiction avec quelqu'un. Quelqu'un là, tu seras surpris. Tu as vu un marché important. Tu as vu un marché important. Parce que Dieu est en train de te connecter. Je vois cette vision. Je vois cette grâce, je la vois maintenant, je la sens maintenant. Et Dieu va libérer cette onction sur ta vie pendant que je parle. Où que tu sois, où que tu te trouves, que le Saint-Esprit saisisse tes mains, qu'il touche tes mains. Alléluia. Jésus. Alléluia. Comme ma main, chaîne de ma main. Quelque chose se passe ce matin. Quelque chose se passe ce matin. Faites la coucher tout doucement. Posez-la tout doucement. You kneel down easy. Tous ceux qui sont sur l'onction, restez devant. Il y a une grâce, restez devant. Les autres enlèvent la main. Quelque chose va se passer. L'onction prophétique est là. Sur l'onction de vos pères. La grâce de Dieu sera manifestée. Lève simplement la main. Quelque chose se passe pour toi, ma fille. Quelque chose arrive pour toi, ma fille. Quelque chose arrive pour toi, ma fille. Quelque chose arrive pour toi, ma fille. Pendant que je parle. Pendant que je parle, je vois les chaînes et les liens qui t'avaient environné. Mais l'onction de Dieu brise. L'onction de Dieu brise. L'onction de Dieu brise.
L'onction de Dieu brise. Brise. Fire Holy Ghost. Jesus name. Kayata ba 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 ba. Ça commence, suis-la, ma fille, suis-la bien. On her now. Ça commence. On her. Ça commence. On her. Ça commence. On her. Ça commence. On her now. Son cœur s'ouvre à la grâce de Dieu.